personnes vulnérables, la lutte contre le sexisme et le harcèlement, l'inclusion handicap, la qualité de vie et l'adaptation des sociétés au vieillissement, entre autres. Donc, tes engagements sont louables et nombreux. Et tu m'as été chaleureusement recommandé pour, au-delà de ton expertise, ton caractère attachant, dont j'ai pu être le témoin sur ces deux dernières semaines, et qui, je suis sûr, va résonner ce soir auprès de nos auditeurs. À côté de ton travail, toi, tu as trouvé le temps, je ne sais pas comment, avec tout ce que tu fais, mais de collaborer à la création d'un jeu de société avec une thérapeute qui s'appelle « 2 minutes ensemble », primé plusieurs fois et utilisé comme outil pour favoriser le dialogue entre les générations et avec les personnes âgées. Et tu aimes la lecture et la poésie, enfin, l'écriture, l'écriture et la poésie. Donc, bonsoir Solène. Bonsoir Thibault. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis ravi de vous recevoir ce soir. Je suis moi-même Thibault Houdot. Je suis juriste de formation. Je ne suis pas avocat, mais j'ai exercé dans le secteur public et dans le secteur privé pendant de nombreuses années. Et je suis maintenant fondateur, cofondateur avec Alexis Debord de SideQuest. Je vais vous présenter les grands thèmes de la formation de ce soir. Et je vais bien sûr laisser la parole plutôt à mes invités. Je vais vous faire quelques petites précisions générales d'ordre technique. Cette formation est éligible au titre de la formation professionnelle continue des avocats. Et c'est l'ACE qui se chargera de vous contacter pour toutes les formalités. Cette formation sera disponible en replay. On m'a posé la question, elle sera disponible en replay et il y aura un petit support de présentation qu'on affichera de temps en temps. Et ce replay et ce support, on vous les transmettra par mail dans les jours qui suivent. Et au cours de cette formation, enfin, vous serez libre de poser toutes vos questions. On essaiera de répondre à ce qu'on peut dans la mesure du temps qui nous est imparti et dans la mesure de nos connaissances. Mais pour plus de fluidité, donc je vous invite encore une fois, s'il vous plaît, à couper votre micro et à préférer le chat pour nous poser vos questions. Et je me chargerai de les rediriger à nos intervenantes plutôt. Donc le sujet du jour, l'efficacité relationnelle de l'avocat. C'est un sujet qui peut être considéré comme étant assez vaste et que nous avons, pour notre part, choisi de traiter sous deux angles. Donc, dans un premier temps, sous l'angle de la communication à proprement parler, et c'est plutôt ici qu'Isabelle va intervenir, avec des conseils pratiques à mettre en œuvre au quotidien pour préparer un entretien, pour aborder des situations difficiles ou conflictuelles, pour mieux comprendre son client. Donc là, véritablement, des techniques de communication. Et ensuite, on va voir plutôt le relationnel de l'avocat dans le sens du réseautage. Et là, on parlera également de sujets assez intéressants. On parlera un petit peu de la transformation numérique de la profession et donc de l'usage des sites Internet, des réseaux sociaux, des réseaux professionnels. Mais on va aussi parler du réseau dans la vie réelle, si je puis dire, avec les manières de le développer. Et on essaiera de soulever quelques problématiques, si on a le temps, liées à la déontologie. Et l'idée derrière tout ça, c'est de vous aider à pouvoir appliquer ces conseils au quotidien pour avoir une meilleure... Pour en tout cas participer à la fidélisation de votre clientèle, à sa satisfaction et même vous, au développement de votre activité. Donc voilà, un programme chargé. Donc sans plus attendre, je vais donner la parole à mes invités. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Et merci encore à tous d'être avec nous ce soir. Donc on va commencer avec toi, Isabelle, donc plutôt sur le thème de la communication à proprement parler. J'aurais souhaité que tu nous donnes, pour commencer, ton sentiment général sur le sujet de la communication. Tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Thibault? Parfait. Parfait. Bon. Merci pour cette invitation sur un sujet aussi vaste et essentiel qu'est celui de la communication. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent ce soir. En introduction, je voudrais vous dire que nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Et ça, c'est pas
moi qui le dis, c'est le psychologue américain Paul Vaslavik. Selon lui, la communication joue un rôle fondamental dans nos vies, et bien sûr pas que dans nos vies professionnelles. Même si finalement, nous sommes assez peu conscients de la façon dont nous communiquons, hein, parce que depuis qu'on est tout petit, nous apprenons ce qu'il faut dire, comment il faut le dire, à tel point que communiquer, pour nous, c'est devenu un processus automatique, un peu comme respirer. Et nous commençons seulement à nous interroger sur notre façon de communiquer, eh bien, quand nous réalisons que dans certaines situations, appeler un prospect au téléphone, relancer un client qui tarde à payer, parler en public, quand on est face à des confrères ou dans un séminaire, eh bien, ou avec certains types d'interlocuteurs, eh bien, finalement, nous ne sommes pas toujours très à l'aise. Alors consciemment, hein, ou parfois avec déni, nous dépensons beaucoup d'énergie pour éviter ces situations. On procrastine, ça, je pense qu'on sait tous faire. On appelle un confrère ou un collaborateur plus doué. On dit qu'on a un agenda trop chargé. Bon, on a aussi parfois des interlocuteurs qui nous renvoient des feedbacks qui ne sont pas forcément très agréables à entendre. Parfois on entend « Ah, je t'ai vu, j'étais en réunion avec toi, tu avais l'air tendu » ou « Dis donc, tu es très assertive, hein, je me suis sentie limite agressée ». Bon, et ça, c'est quand on vous le dit. Et parfois, au contraire, eh bien, nous n'osons pas. Ou encore le trac, parce qu'on va en parler, hein, nous fait passer de mauvaises nuits avant un événement. Alors, vous allez me dire, tout ça ne serait pas forcément si grave à court terme si finalement ça n'avait pas de lourdes conséquences, parce que rater une occasion de se faire connaître, rater une occasion de développer notre cabinet probablement, peiner à faire rentrer les honoraires parce qu'on n'ose pas réclamer, et bien finalement notre trésorerie va en souffrir. Et puis finalement, à force de ne pas oser, de ne pas y aller, et bien nous nous dévalorisons. Et petit à petit, nous perdons confiance et nous communiquons de moins en moins. Donc, finalement, ce que nous aimerions tous, c'est davantage être compris quand on communique, être capable d'affirmer un point de vue différent, recadrer... Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est une personne qui peut couper son micro, oui. S'il vous plaît. Vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Oui. Je me permets de couper les pas. C'est bon, ça va mieux. Hein. C'est bon. Donc, je disais qu'on aimerait finalement être mieux compris. On aimerait pouvoir exposer notre point de vue, même quand il est différent, et surtout quand il est différent. Recadrer des propos... parfois irrespectueux, ça peut arriver dans une relation, avec fermeté mais sans blesser. Bref, vous savez, dans la communication non violente, on appelle ça ni hérisson ni paillasson. C'est très imagé, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, en effet, on aimerait, parce que dans le travail de l'avocat, il y a beaucoup de moments autour de la communication, hein, des rendez-vous clients, des plaidoiries, des présentations, des séminaires, des after-work. Et globalement, vous allez être face à trois grands types de situations. Le tête-à-tête, parler en réunion au sein d'un groupe, pas forcément animer la réunion, mais intervenir, et faire face à un public. Alors, on se rend compte très vite que nous sommes parfois plus à l'aise dans une situation qu'une autre. Hein. Le trac est parfois présent devant un public, moins dans un petit groupe. Moi, je sais que c'est plutôt ça. Pour certains, on sera plus détendu si on connaît l'interlocuteur. Pour d'autres, au contraire, le fait de s'exprimer devant des personnes totalement inconnues, c'est plutôt rassurant. Donc là, ce soir, je vais vous partager des techniques pour vous permettre d'être plus efficace dans votre communication, mais je dirais surtout pour y prendre du plaisir. Parce que quelque part, sans dévoiler la suite et les clés, pour être un bon orateur,
en fait, ou une bonne oratrice, il faut aimer ça. Ok, Isabelle, merci beaucoup pour cette entrée en matière. Je pense qu'en effet, quel que soit son niveau, quelles que soient ses zones de confort, on a chacun déjà eu affaire à des situations un petit peu compliquées, des anxiétés avant de prendre la parole ou avant des rendez-vous importants. Naturellement, on progresse au fur et à mesure des expériences, des succès ou des échecs, mais c'est des choses qui ne sont pas innées et qu'on ne nous apprend pas forcément du tout dans la formation de l'avocat. Et du coup, on va essayer de partager avec vous et avec Isabelle des véritables techniques. En fait, même si ça s'apprend naturellement, il y a aussi des techniques et des choses intéressantes, des outils qu'on peut utiliser pour progresser. Donc, avant de rentrer directement dans le sujet de la communication, j'aurais aimé, Solène, te donner également la parole en guise d'introduction sur pour toi, en tant que professionnelle du droit et en premier lieu en tant qu'avocate, qu'est-ce que tu peux me dire de ta perception de l'importance du relationnel chez l'avocat dans une profession qui s'est transformée, qui évolue et qui fait face à de nombreux défis. Oui, alors, absolument, effectivement, en guise d'introduction, c'est important, je pense, de rappeler le cadre et le contexte de la mutation de la profession d'avocat, d'ailleurs, qui était le titre de l'ouvrage co-rédigé en collectivité par l'ACE en 2017, qui venait expliquer justement les nouveaux défis qui s'ouvrent à nous et qui doivent appeler des nouvelles développements de compétences et autres. Pourquoi ? Parce que rapidement, historiquement, la structure de la profession a beaucoup évolué depuis les dernières années. Nous sommes aujourd'hui 70 000 en France, avec une certaine disparité entre la Paris qui regroupe 30 000 personnes rien qu'au sein d'un même barreau, et puis en région où là, il y a plus d'éclatements avec de nombreux barreaux et parfois des barreaux plus de 64% qui a moins de 100 avocats. La moyenne d'âge s'est considérablement rajeunie. On est à peu près à 43,9% même de manière très précise. Il y a aussi une évolution qui n'est pas moindre, parce que je vois que là, je regardais la liste, on est à peu près équivalente entre les hommes et les femmes. Mais au départ, il faut quand même rappeler aussi que c'était une profession d'hommes exclusivement, qui était fermée aux femmes de manière délibérée, et que ça a été une lente évolution jusqu'en 1900, où là, les femmes ont enfin pu accéder à la profession. Mais c'était une confrérie. Il y avait, quand on relit les débats à l'Assemblée avant la loi qui a permis l'accession des femmes à la profession, les débats, c'est extraordinaire. C'est les femmes n'ont pas leur place ici, elles sont incapables d'exercer la profession, il faut avoir une voix, une stature, etc., être ténor et compagnie. Et quelque part, il reste encore aujourd'hui, en 2020, un petit peu des séquelles, je dirais, de cette historique, qui se retrouve en fait même de manière tout à fait démontrée dans les chiffres, avec notamment au niveau de la rémunération un écart spectaculaire de 51% d'écart, qui fait que nous qui sommes la profession la plus engagée pour aller défendre les droits, notamment les inégalités, on se retrouve comme la profession la plus inégalitaire à mon sens, à ma connaissance en France, avec ces écarts-là. Quelques chiffres dans les associations de cabinets d'avocats, il y a 17% de femmes dans les cabinets d'affaires associés, et si on prend les grosses structures où il y a beaucoup d'argent, des dossiers, FUSAC, etc., on a 96% d'associés hommes. Les chiffres ne sont pas anodins, il y a encore des plafonds de verre à dépasser. Sachant que pour le coup, la profession est maintenant plus féminisée que masculine. On a dépassé. Absolument, et alors qu'on est à 55% à peu près de féminisation. Donc, ce n'est pas anodin parce que ça a aussi une incidence, on en reparlera tout à l'heure, c'est un petit teasing, mais voilà pour l'évolution. Ensuite, au niveau de l'exercice, on a aussi constaté une grande évolution qui fait qu'on doit vraiment s'adapter. La profession d'avocat, au départ, c'était donc une profession judiciaire, de contentieux. On allait appeler son avocat que quand on avait des litiges. Alors, il y existe encore cette fonction, évidemment, dans notre profession, mais de plus en plus, celle de conseil s'est développée, notamment avec la fusion en 91 des conseils d'entreprise, justement, et des avocats qui a donné lieu, d'ailleurs, à la naissance du syndicat ACE,
qui maintenant touche tous les domaines, mais qui a cette historique-là, qui fait qu'aujourd'hui, on a un panel d'exercices beaucoup plus large, et donc des clients qui ont des demandes et des besoins différents. On n'est pas que dans le conflit, ça peut être aussi en amont pour prévenir les risques, etc. Mais cette mission n'est pas forcément toujours bien perçue aussi, on en reparlera. Il y a aussi des nouvelles missions qui sont développées, qui sortent du périmètre historique de l'avocat, comme mandataire sportif, comme délégué à la protection des données personnelles, qui est nouveau, mandataire immobilier, etc. Donc, on a ce contexte d'évolution. On a aussi une évolution de la profession donc plus jeune et qui maintenant voit des nouvelles générations qui ont des aspirations un peu différentes, peut-être, ou une vision de la profession qui est différente par rapport aux générations précédentes, avec un souhait peut-être d'une plus grande mobilité, d'une plus grande souplesse, d'un grand investissement au quotidien dans les cabinets, 20 heures par jour, ce genre de choses. Donc, il y a une diversification des sujets. Le télétravail, là, se développe beaucoup, on voit. Un souhait d'équilibre pro, perso, donc de nouveaux défis et enjeux à relever tout en se développant son activité, que ce soit à titre individuel, dans le cadre d'une collaboration ou d'une association. Il y a aussi une nouvelle évolution qui est importante, qui est celle de la digitalisation, numérisation des pratiques, à laquelle aussi on doit s'adapter, puisque maintenant le réflexe numéro un des personnes quand ils cherchent un avocat, c'est Google. Hein. C'est pas le site avocat du CNB, non, c'est Google, la plateforme. Ensuite, ils regardent les références, si l'avocat est un peu connu ou pas. Donc, c'est important aussi d'avoir cette image-là et de travailler sa communication sur les réseaux. On en parlera aussi. Et donc, de s'adapter à ces nouveaux outils, souvent sur lesquels les barreaux, d'ailleurs, forment de manière très pertinente. Il y a aussi l'évolution sur les exigences des clients. Avant, alors, c'est important, sur l'image de l'avocat qui était le sachant, le notable, qui a l'expertise du droit, avec le vocabulaire un peu compliqué, etc., qui prend tout en main et qui gère tout. Là, aujourd'hui, on a un besoin de clarté, on a un besoin de simplification de l'information. Les clients se sont déjà renseignés avant, ils ont déjà interrogé 3 ou 4 juristes autour pour vérifier. Donc, il va falloir apporter autre chose que de l'information qui maintenant est quasiment accessible gratuitement partout. Donc, il va falloir trouver une différenciation et trouver les moyens d'arriver à cette différenciation pour être reconnu et qu'on fasse voilà, que le chemin vienne jusqu'à vous. Il y a aussi une forte concurrence qui s'est développée, ce sont des évidences, mais c'est toujours bien de le rappeler, les Legal Tech, bien sûr, qui proposent des tarifs impossibles à concurrencer, des conditions générales de vente à 35 euros, on ne peut pas concurrencer, donc qu'est-ce qu'on va amener en plus? Il y a d'autres professions, les experts comptables, les notaires aussi, qui vont pouvoir éventuellement avoir des fonctions qui pourraient être exercées par des avocats, d'où peut-être des souhaits de complémentarité aussi. Et donc, voilà, toutes ces nouvelles difficultés. Ce n'est pas simple, ce n'est pas si facile d'être avocat. Il y a d'ailleurs un tiers des personnes qui ont dans la profession qui partent dans les 10 premières années, avec un focus particulier sur les femmes. Moi, une fois, au barreau de Paris, j'ai fait la liste. J'ai dressé un petit peu comme la liste des morts. On a perdu cette semaine 70 femmes qui sont parties en entreprise ouais, parce que c'était un peu compliqué. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Ou alors, parfois, c'est pour épouser d'autres professions. Mais il y a quand même cette mobilité, en fait, qu'on n'exerce pas forcément toute sa vie la profession. On peut aussi avoir des allers-retours en entreprise, ce qui peut être très intéressant aussi. Et pour autant, la profession reste fantasmée. Comme première approche, on arrive comme avocat. Eh bien, on pense qu'on est très riche, qu'on est très bon dans tous les domaines, qu'on n'a aucune difficulté, on doit toujours être en forme et souriante et pertinente pertinent. Et puis, on voit l'image qui est véhiculée dans les médias, c'est ceux des avocats brillants, toujours beaux, tout va très bien pour eux, ils sont des héros, etc. Donc, voilà. Dans la réalité, ce n'est pas si simple, mais grâce à Isabelle, nous allons apprendre des techniques qui font qu'on a besoin aujourd'hui de développer d'autres compétences par rapport à ce qu'on a appris pendant de longues et longues études, qui était uniquement de savoir être expert ou expert du droit. On a maintenant besoin d'autres compétences complémentaires qui sont individuelles, intrinsèques, qu'on peut appeler les soft skills,
Et donc, apprendre de nouveaux codes, j'ai envie de dire, en dehors des codes d'Allo, Zelitech dont on a l'habitude, il faut qu'on apprenne des nouveaux codes sociaux, des codes comportementaux, des codes entrepreneuriaux que connaissent les écoles de commerce, par exemple, notamment, qui apprennent ça, hein, des techniques qui vont être très utiles au service du développement des activités. Donc, qu'est-ce que je peux citer ? Voilà, en dehors de la créativité ou de l'agilité, eh bien, on va attendre des avocats et des avocates, de l'empathie, des techniques effectivement de communication, savoir fidéliser une clientèle, une aisance à nouer une nouvelle relation. Et donc, on doit, sans pour autant sacrifier son expertise, démontrer une nouvelle valeur ajoutée. Et donc, c'est aussi important de savoir et entretenir un réseau professionnel au sein de la profession et en dehors également. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire comme conseil ? Exemple, par exemple, sur la vision, rapidement, mais sur la vision de l'avocat, exemple très récent des 15 derniers jours, j'ai par exemple écrit au conseil de l'ordre de kiné pour proposer d'accompagner une cliente qui est kinésithérapeute, qui porte un projet innovant et numérique. L'idée étant de l'accompagner pour vérifier, s'assurer qu'elle respecte bien les règles déontologiques. Donc, c'est tout à fait dans la lignée de ce que j'ai pu faire au Conseil de l'Ordre. On voit quand il y a des confrères et des consoeurs qui ont des projets, ils viennent, et puis en coopération, on regarde, on étudie si c'est OK. Et j'ai senti qu'en fait, ils ont répondu que ce n'était pas utile que je sois là dans le cadre d'une première réunion confraternelle. Sous-entendu, il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas de conflit, donc à quoi sert un avocat ? Et, OK, donc j'ai refait un message en disant que c'était bien l'esprit de cet accompagnement, justement, en coopération, et c'était intéressant de voir l'image qu'un avocat venait ici, ce dont ils n'avaient pas l'habitude. Un deuxième aussi m'a dit récemment, quand je l'ai interrogé sur ses pratiques pour savoir un peu quels étaient ses besoins, eh bien que oui, il faisait appel à des avocats, mais quand il en avait besoin, ponctuellement et systématiquement quand il était en contentieux. Jamais en amont, donc c'était une nouveauté et il y avait donc une nouvelle habitude à créer et donc peut-être une nouvelle argumentation, convaincre de l'utilité que oui, on peut être aussi en amont et pas que pour récupérer les pots cassés quand ça va mal. Donc, c'est pour dire que la mission de conseil n'est pas toujours bien connue, mais ça vaut aussi dans tous les secteurs, hein, pourquoi pas même en famille. On voit de plus en plus aussi des consultations en amont, pourquoi pas, pas forcément que dans le cas de contentieux, ou en droit du travail également, bien sûr, et tous les secteurs. Et puis, un autre exemple que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai entendu devant moi, un client qui m'inspire beaucoup en ce moment, qui a dit à sa directrice générale devant moi que ce qui était intéressant, c'était qu'au-delà de l'aspect purement juridique et technique, qui pour lui était acquis, hein, eh bien, ce qu'il appréciait dans ma personnalité, c'était le fait que je sois implantée sur un secteur, que je sois visible, par exemple, dans des colloques, que j'écrivais des articles, etc., et que du coup, cette compétence un peu de communication, pour lui, était aussi importante que le fond. C'est-à-dire, et là, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est ce qui a guidé son choix pour me confier une première mission. Donc, c'est vraiment utile de développer ces nouveaux moyens de communication, en tout cas, de prendre le temps d'investir. Voilà. Merci Solène. Donc voilà, avocat, un métier d'expertise, un métier qui doit garder cette expertise, mais qui fait face à de nombreux défis, une évolution, et qui doit, comme de nombreux services actuellement, s'adapter, et qui doit du coup s'enrober, si on peut dire, de nouvelles compétences. On va se lancer dans le vif du sujet quand même, parce qu'on a des jolis outils à vous montrer. Et on va parler maintenant des techniques pour développer une communication efficace. On va parler de... On a une personne qui arrive. Bonjour Michel. On va parler de différentes choses. On va parler d'émetteurs et de récepteurs, par exemple. L'émetteur, c'est celui, bien sûr, qui envoie le message, qui écrit, qui parle, qui présente une information. Le récepteur, c'est celui qui va recevoir le message, qui va la lire, qui va l'entendre. Et il peut s'agir d'un confrère, du juge, éventuellement d'un client. Et on va vous parler aussi de communication verbale et de communication non verbale. La communication verbale, c'est la communication que l'on exprime par la parole, mais qu'on peut aussi en fait exprimer à l'écrit ou même éventuellement par le langage des signes. Ce qui est important, c'est que la communication verbale, c'est celle qui transcrit le message avec des mots, sous quelque forme que ce soit, et qui est la base de la compréhension vraiment linguistique.
Et on va parler aussi de communication non-verbale, qui est extrêmement importante également et qui, elle, englobe tout le reste. Le ton de la voix, l'articulation, le débit, la posture, les expressions du visage, les différentes choses qui vont transparaître dans la gestuelle. On va parler de beaucoup d'autres choses. Encore une fois, je vous invite à poser des questions. Isabelle, je te donne la parole. Commence à nous parler de la communication, s'il te plaît, et de ces techniques. Oui, merci Thibault. C'est vrai que dans la communication, en fait, nous sommes deux, hein, moi et l'autre ou les autres, et même trois, puisqu'il y a effectivement le message, hein, le contenu de ce qu'on veut faire passer. Alors, pour faire passer un message, nous utilisons des mots, mais nous accompagnons ces mots d'autres signaux qu'on appelle des signaux non-verbaux, qui sont ultra importants. Je voudrais citer une petite phrase d'un philosophe américain qui s'appelle Ralph Emerson, qui a beaucoup écrit notamment sur la confiance en soi, parce qu'il y a un lien entre la communication et la confiance. Il dit quelque chose que j'adore, c'est « ce que tu es, sous-entendu ce que tu es quand tu parles, parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Donc, je vous donne un exemple, j'aime beaucoup, c'est la personne qui dit qu'elle est très organisée, mais en fait, quand elle vous parle, elle est en train de chercher, vous la voyez, chercher partout où sont ses lunettes. Donc, le message est complètement dissonant. C'est la personne qui vous dit « mais non, je ne suis pas en colère. » Bon, on entend bien qu'au ton, en fait, elle est très en colère. Ou un orateur qui arrive sur l'estrade et qui vous dit d'une voix totalement étranglée qu'il est très content d'être là. Donc, vous voyez bien qu'en fait, il y a ce qu'on dit et comment on le dit. Le verbal et le non-verbal. Et d'après des études qui ont été faites depuis assez longtemps, en fait, notamment aux États-Unis, je cite beaucoup les États-Unis, mais ils ont beaucoup travaillé là-dessus, on sait que ce sont de grands communicants, c'est important pour eux. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus à l'aise par leur éducation à parler en public que nous en France. Donc le non-verbal, c'est 13 fois plus puissant que le verbal. Alors, pourquoi, à votre avis, c'est un peu difficile de vous interroger, hein. Alors je vais vous donner la réponse, parce que, en fait, le langage du corps, il est vieux de millions d'années, mais le langage, il est apparu seulement il y a 350 000 ans, donc c'est récent. Donc nous avons d'abord commencé par communiquer avec des gestes. Avec des gestes, parce que les composantes du non-verbal sont nombreux, hein. Il y a le regard, la partie visuelle, il y a le vocal. Solène parlait des ténors du barreau, donc il y a notre voix, hein, comment on la module, comment on l'utilise. Il y a les gestes, hein, qui accompagnent ce que l'on dit. Et puis, il y a la posture, la façon dont on se tient. Hein. Les comédiens, les chanteurs, ils vont beaucoup vous parler de votre posture de façon à porter votre voix, et notamment quand vous parlez en public. Alors, le visuel, d'abord, c'est, vous savez, dans un échange, c'est ce qu'on appelle les fameuses premières minutes. On n'a que quelques minutes, voire même quelques secondes pour faire une bonne ou une mauvaise impression. Hein, donc, qu'est-ce qu'on voit d'abord? Avant même qu'on ait ouvert la bouche, on vous voit. On voit comment vous êtes habillé, on voit votre apparence, on voit vos gestes, votre posture. Et c'est notre cerveau reptilien qui va capter tout ça, hein, pour tout de suite, et malheureusement, je le dis, même si j'étais DRH longtemps, et dans un entretien de recrutement, pour porter un jugement. Hein. La personne, elle va vous rassurer, elle va vous faire peur, elle va… Voilà. Donc, il va y avoir, dans les premières secondes d'un échange, quelque chose qui va se passer. Et puis ensuite, il y aura votre voix, hein, votre timbre, son intensité, son rythme, qui fera que ce que vous allez dire va être palpitant, captivant ou pas. Hein. Si vous dites « ce sujet est passionnant », c'est pas pareil que de dire « ce sujet est passionnant ». Voilà, on marque les intonations, donc c'est très différent. Et on y reviendra un petit peu plus tard sur les techniques pour avoir de l'impact. Très bien. Tu veux partager quelque chose, Solène, sur,
sur la communication, sur le parler, le verbal, le non-verbal. Oui, alors c'est évidemment très important, surtout alors dans toutes les situations, quand même malgré tout, avec cette vision de l'avocat et de l'avocate, on attend de nous d'avoir une certaine aisance, en fait, d'avoir une certaine prestance, même j'ai envie de dire, de la confiance en nous et dans toutes les situations. Donc si ce n'est pas le cas intérieurement, il faut arriver à le cacher ou à apprendre les techniques pour essayer de passer au-dessus ou de se préparer avant, et on en parlera tout à l'heure. Moi, je voudrais faire une toute petite incision sur un exemple typique d'adaptation que nous devons faire là avec cette crise, c'est que les réunions en visio comme là se développent. Là, normalement, on devrait être au siège de la CE, dans la belle salle, ensemble, et puis on aurait un échange, on verrait vos visages déjà, et on aurait un échange humain, un lien, quelque chose qui se passerait d'indicible, mais comme tu dis, un peu cerveau reptilien, on se sent et on s'apprivoise quand même quelque part en quelques secondes. Et donc là, avec les visios, en fait, c'est vrai que je constate, comme ça se multiplie beaucoup, mais ce que tu disais, c'est que cette première impression qui était liée avant, je rentre par la porte, en quelques secondes, il y a un échange, un mouvement qui se passe, là, tout de suite, on est collé en face à face, on est projeté, peut-être même, comme là, on est en train de faire, vous voyez, le moindre geste se voit, la moindre intonation, on change de regard, ça va se voir également. Et il y a comme une sorte de filtre quand même qui s'instaure, je trouve, ce que j'ai pu constater. Par contre, pour les intonations, les intentions, peut-être les émotions, qui vont ne pas transparaître à travers ce filtre. Ça, je l'ai vécu en ayant un premier contact avec des personnes via un écran. Pour mille et une raisons, ça ne s'est pas très bien passé, le feeling n'était pas forcément très bon de part et d'autre. Quand on s'est vu en face, en direct, en fait, le fait de pouvoir échanger les yeux dans les yeux, se confier, en fait, ça a tout changé. Et la relation est devenue chaleureuse et pareil, il y a eu un dossier derrière. Donc, c'est très intéressant de savoir aussi qu'il peut y avoir... on va devoir s'adapter avec... Quelque part, maintenant, il y a plusieurs niveaux de communication quand on est en réunion. Alors, il va y avoir effectivement le présentiel, que rien ne peut remplacer. Là, on l'a vu de manière très forte, à chaque fois, le plaisir de se retrouver en chair et en os, c'est vraiment très, très important. La deuxième étape entre intermédiaire, c'est cette visio, mais qui ne peut pas tout remplacer, qui est un plus, qui est génial pour gagner du temps, etc., mais qui ne peut pas non plus tout remplacer. Et puis après, il y a le téléphone. Alors, c'est marrant parce que le téléphone a perdu un peu de son influence, alors qu'avant, c'était un réflexe très facile. Et puis il y a les mails aussi, il ne faut pas oublier la communication par mail qui est très dangereuse, très dangereuse. Mais le téléphone a été remplacé par la visio, et là je suis en train de me dire on va revenir aussi au téléphone parce que quelque part on peut aussi faire autre chose en même temps, même si on est concentré, mais ça peut être aussi les nouveaux moyens, donc à adapter en fonction des besoins. Un exemple sur le mail, exemple du jour, j'ai senti, alors c'était amusant, on sait que la communication par écrit, hein, faut quand même si c'est pas le sujet, mais c'est important. Je crois qu'il y a 40% du message qui passe. Et puis comme il n'y a pas les intonations, justement, on peut avoir une formule de phrase qui va être mal interprétée, même les échanges par message, on sait très bien, qui peut créer des malentendus, alors que ça serait la même phrase avec l'intonation en se disant, ça passerait très bien. Et exemple, c'est quelqu'un qu'on ne va pas mettre en copie dans un mail, par exemple, qui va pouvoir se vexer parce qu'il était au courant du projet, ou au contraire, on va mettre quelqu'un d'autre en copie, et là, la personne peut se vexer parce qu'elle va trouver que c'est une sorte de contrôle, etc. Donc, il faut aussi, peut-être, moi, ce que j'ai proposé, c'est vraiment de poser la question, qui dois-je mettre? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que je crois qu'il faut aussi oser interroger l'autre sur ses besoins et ses souhaits. Voilà. Donc, il faut s'approprier et puis les utiliser, tous ces outils au mieux. Donc, la communication, ça peut être dangereux. Chaque mode de communication a des avantages et des inconvénients. Heureusement, on peut progresser dans les deux modes. C'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu, tant en tant que émetteur, comment bien se préparer, comment être dans une meilleure posture pour faire passer un message. Et aussi, en tant que récepteur, on va parler aussi un petit peu d'écoute active, de comment mettre quelqu'un à l'aise, comment réussir à mieux capter son message. On va prendre des situations un peu concrètes pour illustrer tout ça. Isabelle,
on avait vu ensemble comment préparer un face-à-face chez un potentiel client ou chez un client, chez un prospect, chez un partenaire stratégique. Comment se préparer à une réunion, on va dire. Alors, comment se préparer à une réunion? Eh bien, je vais directement peut-être à la posture, la posture à avoir pour pendant ce rendez-vous. Hein, c'est ça. C'est la posture. Tu parlais, Solène, tout à l'heure du métier qui a changé. Qu'il est important d'avoir une posture d'humilité. Est-ce que c'est ça, cette partie-là que tu voulais que j'aborde, Simon? La posture, on va forcément aborder la posture, oui. Mais chronologiquement, un petit peu en amont, on avait partagé des conseils pour se préparer. Tu m'avais montré un bel outil, oui, que j'ai envie de partager avec les personnes qui nous tout suivent. Tout à fait. Alors, effectivement, ça s'appelle l'outil de la lanterne. Alors, peut-être que tu peux l'afficher, Thibaut. Bien sûr. Voilà. Tout de suite, voilà. Donc, préparer, avant un rendez-vous, ce qui est important pour que vous soyez à l'aise, parce que si vous ne préparez pas votre rendez-vous, eh bien, il y a peu de chances que vous soyez totalement à l'aise et que vous oubliez vous soyez à l'aise dans votre discours. Ce qui est important, c'est de prendre un peu de temps. Alors, je sais que parfois, c'est compliqué, mais de prendre un tout petit peu de temps pour penser à ce rendez-vous. Ça, cet outil, alors la lanterne, pour éclairer un peu cette préparation, moi, je vous propose de poser. Donc, il y a vous, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport au sujet à traiter, quel est votre enjeu dans ce contexte, qu'est-ce que je veux obtenir dans ce rendez-vous? Est-ce que c'est un rendez-vous pour vendre quelque chose, pour réclamer, pour partager des idées? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous pensez à ce rendez-vous et ce contexte? Après, il y a l'autre. L'autre ou les autres, cette autre personne, ce qui est important, c'est de savoir qui il est, dans quel état d'esprit il vient à ce rendez-vous, quelles sont ses craintes, évidemment, également, parce que quelles sont éventuellement, potentiellement, quel est son niveau de connaissance du sujet à traiter, lui aussi, dans quel contexte il est, qu'est-ce qui fait que vous êtes là. Donc ça, c'est important de rassembler ces éléments. Sur le sujet encore que vous allez traiter, et ça, c'est important, quelle est votre relation avec ce sujet? Est-ce que vous êtes l'expert du sujet considéré? Est-ce qu'au contraire, c'est un sujet avec lequel vous n'êtes pas forcément très à l'aise, donc vous aurez encore davantage d'intérêt à préparer à l'avance les 2-3 points qui éventuellement vous mettent un peu mal à l'aise ou les questions que vous imaginez qu'on va vous poser. Le contexte compte beaucoup, je vous l'ai dit tout à l'heure, le type de rendez-vous, parce que parfois on est à l'aise dans certaines situations et on l'est moins dans d'autres. Donc c'est des choses que je pense qu'on fait un petit peu tous inconsciemment. Moi, je sais qu'en début de carrière, j'ai des outils comme ça, ou même maintenant que tu m'en as parlé, c'est vrai que j'avais un rendez-vous aujourd'hui et sous la douche ce matin, j'y ai repensé, je me suis dit, tiens, c'est vrai. C'est intéressant, j'avais pas pensé à prendre le réflexe de repenser à ces choses-là avant d'y aller, parce que maintenant c'est des choses que je faisais plus ou moins assez automatiquement. Et en fait, c'est vrai que c'est assez intéressant quand on a, j'imagine, une confrontation un peu compliquée, d'utiliser cette petite matrice, de la poser, de réfléchir un petit peu. En fait, il peut en sortir que du bien. C'est quelque chose que je vais vous transmettre. J'ai reçu un témoignage par message privé entre-temps d'une de nos auditrices. Qui n'est autre que ma maman, qui est avocate, que je salue au passage, qui suit tous mes webinaires avec beaucoup de sérieux, mais qui est avocate elle aussi, et elle me dit quand j'ai un problème avec un client, je prends mon courage à deux mains et je lui donne un rendez-vous.
C'est ça. Oui. Et c'est pas forcément facile avec un client qui est difficile. Et on va parler un peu de ces situations par la suite, mais c'est une bonne transition. Merci. Parce que justement, on va parler un petit peu de comment faire pendant le rendez-vous, quelle est la posture qu'il faut adapter et comment faire parler la personne en face, d'une part, et comment elle la mettre en confiance tout en nous donner les bonnes émotions. Comment on peut aborder un petit peu ça, Isabelle? Oui, tu as tout à fait raison, Thibault. Bah, une fois qu'on s'est préparé, hein, parce que, comme disait Churchill, les meilleures improvisations sont celles que j'ai préparées à l'avance. Je trouve ça assez humoristique, j'aime beaucoup, mais c'est vrai. Donc, pendant le rendez-vous, Solène, tu as parlé des changements de la profession d'avocat et de la posture, finalement, on ne fait plus du contentieux, mais on est dans le conseil aussi. Donc, moi, mon conseil, justement, par rapport à ça, c'est la posture d'humilité. Il faut commencer par placer votre interlocuteur vraiment au centre du rendez-vous. Au centre, ça veut dire que vous lui montrez qui est important, que vous l'écoutez. Et vous lui montrez, et là, le non-verbal est très important, hein, on va jouer, vous lui montrez que vous l'écoutez en suivant le regard, par des gestes, ça va être aussi des reformulations, des signes. Vous pouvez dire « si j'ai bien compris », voilà, et reprendre ces mots. C'est très important, notamment en démarrage d'entretien. Pourquoi c'est important aussi? Ce n'est pas seulement pour apprivoiser l'interlocuteur, mais c'est aussi important parce qu'en fait, quand on est en posture plus de conseil, on a besoin de questionner la problématique. On a besoin que l'interlocuteur, le client, même le confrère se livre. Hein. Il vous faut des infos que vous n'avez pas forcément pour faire votre travail, pour monter une offre. Et quelque part, si vous posez des questions dans lesquelles il y a déjà la réponse, vous n'apprendrez pas grand-chose. Hein. Alors ça, c'est vraiment un des conseils que j'avais appris quand j'étais juriste en entreprise, le petit truc de paraphraser la personne, de reformuler ses propos. Ça m'a vraiment sauvé, ça m'a vraiment aidé dans beaucoup, beaucoup de choses, parce que des fois, on est un petit peu mal à l'aise, chose qu'on pense avoir mal compris, ou que si on l'a bien compris, ça ne nous convient absolument pas, ou ça ne conviendra pas au projet, ou ça ne convient pas au droit applicable, on va dire. Et le fait de paraphraser, toujours avec humilité, hein. Alors, si j'ai bien compris vos propos, etc., 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 ça peut renvoyer la personne à ses éventuelles contradictions et clarifier le débat. Et ça peut aussi, surtout, la mettre en confiance, la faire se sentir écoutée, et ça va l'encourager à approfondir, à aller plus loin dans le problème. Solène, peut-être, toi, en tant qu'avocate, on aimerait bien avoir ton sentiment là-dessus. Oui, mais... Dernier petit conseil, un dernier témoignage, je vais te donner la parole, de François. Faire un tour en salle d'attente avant une première rencontre, livre souvent dans un regard furtif, échanger des informations essentielles. Le regard, on va en reparler aussi. Bon, ton sentiment sur la nécessité d'être à l'écoute, de mettre le client au centre du rendez-vous, des résultats que ça a pu t'apporter? Oui, et juste pour rebondir sur ce que tu disais sur les juristes d'entreprise, c'est intéressant parce qu'eux, ils ont vraiment développé cette expertise d'être à la fois les experts du droit de l'entreprise et en même temps d'avoir cette approche métier, travail d'équipe et très opérationnel. Et c'est vraiment un très bon modèle puisque c'est vraiment le but quand on a cette émission de conseil, mais c'est aussi valable dans tous les secteurs. Et puis, oui, ça me fait penser à un rappel quand même de bon sens, mais c'est vrai que le rôle d'avocat, pour le coup, on était quand même une des trois seules professions au monde à avoir, et on est toujours, à avoir, ça a évolué depuis, mais au départ, un secret professionnel avec les prêtres, les médecins et les avocats. Donc, et avec donc ce rôle d'écoute, en réalité, il est inhérent à notre profession, mais en même temps, l'évolution de la profession a fait qu'au départ, on n'était effectivement que dans le conflit ou dans le contentieux au départ. Et donc, je vais revenir, mais cette posture d'écoute active en humilité, en fait, elle est de bon sens, parce que j'ai envie de dire une phrase un peu bête, mais si on n'écoute pas, on ne peut pas savoir ce que la personne a à nous dire. Et il y a deux types de questionnements. Il y a évidemment les questions liées au dossier, la gestion technique, etc.
Mais pour bien traiter ce dossier, quel qu'il soit, il est important de connaître le contexte. Et souvent, ce contexte-là, il va venir pas tout de suite. On va pas, le client ne va pas vous dire la vraie raison, de la raison pour laquelle il vient vous voir. C'est en le faisant parler, en tirant un peu les ficelles, en allant chercher justement les sous-jacents, en interrogeant. Au fur et à mesure, on va comprendre le contexte et ce qui fait que, en fait, on en est là. Et après, il faut quitter cette posture d'empathie et on reviendra aussi de je vous ai compris, on n'est pas là pour faire la psychologie. Par contre, muni de cette information précieuse, alors on va, je pense, pouvoir beaucoup plus performant, si même c'est du contrat. Parce que le contrat, ça peut aussi refléter l'état d'esprit du client. Là, je l'ai fait la semaine dernière, on est en droit des affaires pures, sauf que il voulait justement, il prenait les valeurs d'écoute de coopération, sauf que le contrat, il était rédigé à l'ancienne, c'est-à-dire la moindre faute de l'autre, on passe au tribunal, donc ça n'avait aucun sens. Et ça a adapté le juridique pour, par rapport à ce contexte-là. Donc la personne, elle a forcément des difficultés d'ordre personnel ou professionnel si elle vient vous voir, et puis même si c'est un dirigeant ou autre, eh bien ça reste une personne humaine, donc elle a peut-être d'autres difficultés par ailleurs en dehors de cela, dans sa vie privée. Donc c'est vrai que notre point aussi qui est important dans notre posture, c'est qu'on est avocat, on porte la voix d'eux, on est là pour parler, on est en audience, on est là pour qu'on nous écoute, c'est nous qui devons convaincre. Donc on doit quelque part combattre ce réflexe immédiat de prendre la parole et de dire « Ok, je vous ai compris », ou si on arrive à identifier le problème, je crois qu'il faut vraiment se mettre un masque, garder pour dire « Je n'interviens pas ». Ou si on a une impulsivité liée à certaines habitudes, ou on parlera aussi des spécificités comportementales, on est nombreux dans les avocats à avoir cela, il faut se faire un peu violence pour éviter cela et avoir vraiment cette posture d'écoute au départ pour mieux ensuite intervenir. On a François qui nous dit qu'il faut conserver une certaine maîtrise du dialogue dans la première rencontre, qu'il faut écouter, mais qu'il faut aussi guider le client. Tout à fait. En effet, il faut le laisser parler, le mettre à l'aise, guider le client peut-être pour l'orienter sur les choses qui sont importantes pour votre expertise d'avocat. Ce que je veux dire, c'est que si on a préparé et on a défini notre objectif, on va le garder en tête. Et ça permettra effectivement de guider le client. Tout à fait. C'est en l'ayant à l'esprit. Un point aussi là-dessus pour finir, parce que ça m'a fait penser aussi à l'ouvrage de Bertrand Perrier, La parole est un sport de combat, best-seller absolu, qui fait maintenant, il est connu partout. C'est très intéressant parce qu'il y a toujours, le livre est génial, mais il y a cette image que la parole de l'avocat est donc dans un conflit. Or, maintenant, il y a des nouvelles techniques qu'on doit apprendre qui sont plus dans le processus collaboratif, comme tu disais, et la médiation, où on va devoir même parler avec douceur pour pouvoir délivrer les messages. Et on voit l'impact que ça, avec un exemple d'il y a 24 heures, avec la nomination de notre consoeur et vice-bâtonnière de l'Europe de Paris, Nathalie Roré, à la tête de l'ENM, ce qui est quand même historique. Pourquoi elle a été choisie, au-delà de ses compétences, bien sûr, d'avocate pénaliste, c'est qu'elle a été choisie spécifiquement parce qu'elle a ses qualités d'écoute, de dialogue, et elle arrive à ce poste-là. Donc là, c'est vraiment un exemple flagrant pour moi qui illustre ses propos de ces nouvelles méthodes à nous approprier, ce que je vais faire d'ailleurs bientôt moi-même, vous voyez, donc on peut apprendre à tous les stades. On va continuer sur les techniques. On a un commentaire de Guy. Je vois qu'il y a des gens qui sont déjà apparemment assez au fait de ces sujets. Guy qui nous parle de communication non violente. Tout à fait. Donc, dans ce domaine, la reformulation par l'auditeur, dont on parlait tout à l'heure, permet à celui qui exprime, le client, de faire émerger les besoins cachés derrière les mots qu'il utilise. C'est un petit peu comme une sorte de psychanalyse, peut-être, le faire parler pour essayer de comprendre un peu ce qu'il y a derrière. On va continuer avec un autre sujet qui est intéressant. Donc voilà, on s'est préparé, on arrive dans le rendez-vous, on essaye de faire parler le client, de le mettre à l'aise, on essaye de guider le débat, mais tout en se contrôlant pour ne pas l'interrompre, pour ne pas lui envoyer des signes qui vont faire qu'il pourrait se refermer. Et tout ça, ça participe à ce qu'on appelle l'écoute active. Et Isabelle, j'aimerais bien que tu nous livres les secrets de l'écoute active, s'il te plaît.
Oui, c'est Carl Rogers hein, qui est, je peux dire, l'apôtre de l'écoute active. Alors, c'est qui Carl Rogers? Parce que ceux qui ne le connaissent pas, mais moi, je ne le connais pas. Bon, c'est encore un Américain, psychologue et aussi qui a fait de la communication. Il nous parle justement, et je donnais Solène un petit truc pour écouter, mais qui peut aussi intéresser toutes les personnes à la conférence, pour écouter, pour bien écouter, et ça peut permettre de réguler un peu son envie d'interrompre, son envie de participer. Moi, je propose toujours, et il nous propose de couper notre feuille en deux. Hein, d'un côté, à gauche, on met ce que la personne nous dit, et de l'autre côté, on note deux, trois choses sur ce que ça nous fait vivre d'écouter. Et c'est très instructif et ça nous occupe un peu notre émotionnel. Donc ça, c'est une technique de notes qui peut vous apprendre beaucoup de choses. Au-delà de prendre des notes, aussi associer les émotions qu'on ressent dans un petit moment. C'est ça. D'un côté, le factuel, ce que la personne en face est en train de vous dire, et de l'autre côté, ce que ça vous fait vivre, ce qu'il vous dit, le ton. Ça va vous apprendre beaucoup de choses sur finalement la relation et ce qui est en train de se jouer. C'est une manière d'imprimer un petit peu le non-verbal aussi. C'est une manière d'imprimer le non-verbal et puis aussi de calmer notre cerveau et nos émotions. Donc, Carl Jung, il nous parle aussi de façon de questionner. Il y en a un qui est très fort aussi. Oui, les conseils. Il y en a un qui est très fort pour questionner de façon subtile, sans présupposer, c'est Inspecteur Colombo. Alors, si vous aimez Colombo, je vous conseille de regarder à nouveau des épisodes parce que c'est très instructif. Pour questionner, peut-être qu'on peut afficher… Ouais, normalement, j'ai la présentation qui se déroule au fur et à mesure. D'accord, ok. J'ai affiché ne pas interrompre, comme on l'a dit tout à l'heure. Ah, d'accord. Et là, comme on parle de Colombo, j'ai marqué interroger l'interlocuteur. S'intéresser. Hein. Ce qui est difficile parfois, hein, c'est de mettre nos préjugés ou les idées qu'on voudrait déjà partager, mais finalement ils vont être un frein finalement à la réflexion. Ce qui est important, c'est de poser des vraies questions, pas des questions orientées, pas des questions avec des réponses dedans, hein. Parce que finalement, à quoi ça sert qu'ils vous livrent quelque chose, une information que vous avez déjà. Et pour répondre à ses besoins, pour monter une offre, il faut aller chercher ce qui le préoccupe vraiment tout au fond de lui. Solène, tu en parlais, ses vrais besoins au fond. Et votre client, il ne le sait pas, votre interlocuteur ne le sait pas forcément. C'est parce que vous allez le questionner, que vous allez l'éclairer, peut-être même le soulager. Hein. Ça sera un bon point de gagner. Donc, derrière ce qu'il va vous exprimer, je vous incite et je vous conseille de ne pas vous arrêter à la première réponse, mais de creuser, hein, de chercher plus loin des causes profondes. Je vous donne un exemple. Encore une réaction qui est tout à fait… Oui. Orienté de la même façon, c'est François qui nous dit qu'il faut parvenir à partager véritablement le dossier avec son client et progresser ensemble dans sa compréhension et dans les enjeux. Et ça, c'est un exemple vraiment de communication, avoir un intérêt commun pour le dossier, comme on partage un repas. C'est une belle métaphore. Oui, c'est très, très belle métaphore. Hein. Et puis, on en apprend toujours plus, on va gagner la confiance de son interlocuteur en s'intéressant à lui et en l'aidant par son cheminement, parce que parfois les problématiques sont complexes et ça nécessite de cheminer, eh bien vous allez faire cheminer. Et je pense que quelque part, en lui enlevant une épine du pied, ça va être une façon de le fidéliser. Tu m'avais parlé d'un outil assez intéressant qui permet de balayer un petit peu toutes les questions qu'on peut poser dans un entretien. Là, dans le PowerPoint, on vous a mis quelques listes de choses importantes, ne pas interrompre, donner son attention, exprimer son approbation, qui ont été diluées un petit peu dans nos propos. Mais c'est des choses qu'on vous enverra, qui peuvent être intéressantes à relire, à regarder dans un coin de sa tête ou dans un coin de son bureau. Mais j'aimerais bien que tu nous parles que tu nous présentes la technique de la spirale que j'avais trouvée assez intéressante. La spirale, c'est une façon de questionner sous une problématique, dans un entretien, sous différents champs, pour
pour être sûr de rien oublier, donc chaque lettre correspond à quelque chose. Donc, en privilégiant bien sûr des questions ouvertes dans lesquelles il n'y a pas déjà la réponse, qui sont courtes et en balayant différents champs. Bien sûr, vous allez, quand vous allez être en rendez-vous, vous allez questionner la situation de votre client, le contexte, qu'est-ce qui se passe, les événements, les autres acteurs éventuellement qui ne sont pas avec vous. Vous allez questionner le problème ou ce qui préoccupe votre interlocuteur, ce qui le gêne, hein, lui demander comment ça fonctionne, ce qui se passe. Et puis, le « i », comme l'implication, c'est-à-dire les enjeux. Hein, quels sont les enjeux pour lui liés à cette problématique ? Le « r », comme résultat. Ben, qu'est-ce qu'il aimerait que vous l'aidiez à faire ? Qu'est-ce qu'il aimerait ? Qu'est-ce qu'il espérerait ? Demandez-lui, bien sûr, puisqu'il a sûrement déjà réfléchi à ses préoccupations, demandez-lui son analyse, hein, comment lui analyse les choses. Donnez-lui de l'importance en faisant ça. Le L, c'est aussi les leviers. Hein, qu'est-ce qui a déjà été fait, avec qui, les options qu'il pourrait avoir. Hein, quelles sont les options dans sa situation ? Ça vous apportera beaucoup d'informations. Et puis enfin, le E, non pas comme fin, mais comme émotion. Comment il vit cette situation ? C'est très important. Alors, il ne va peut-être pas se livrer forcément s'il ne vous connaît pas, mais en posant. Là, on a déjà posé un certain nombre de questions. Comment il vit, hein ? Est-ce que vous allez, il va vous le dire. Est-ce que c'est angoissant ? Est-ce que il va être à l'aise ? Est-ce que c'est important ? Des choses que le client ne réalise peut-être pas, lui, que ça peut avoir de l'importance en fait, pour vous, en tant qu'expert, pour votre dossier. On l'a reçu comme commentaire exactement. Plus on a de factuels, plus on a de la matière pour le dossier. Et c'est vrai qu'encore une fois, il faut guider parce que c'est vous l'expert et un client pourrait être tout à fait concentré sur sa problématique juridique ou sur les conséquences qu'elle a dans le quotidien, mais ne pas penser que ça peut d'autres choses qui vit peuvent avoir une importance particulière, même au niveau de la réflexion juridique. C'est ça l'écoute active, hein. C'est aussi d'être en capacité, alors c'est ce qu'on appelle aussi comme soft skill l'empathie, hein, d'aller se mettre dans la peau du client, de prendre sa paire de lunettes et de regarder les choses comme il le vit. Bon, alors ça, on va vous montrer un petit outil tout à l'heure qui est la carte d'empathie pour se mettre un petit peu derrière les lunettes ou dans les chaussures. De votre client. Solène, tu veux nous partager un petit peu ton sentiment ou tes réactions sur ces entretiens, sur la manière de poser les questions ? Oui, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Effectivement, il y a, comme l'a dit notre auditeur, on est meilleur pour gérer le dossier si on a le plus d'informations possible, très factuelles, très personnelles, et ensuite à nous d'en faire. De les intégrer ou pas, mais en tout cas d'appréhender la situation de manière globale. Comme ça, on comprend parfaitement l'état des lieux. Et je peux peut-être donner un exemple sur des comportements, c'est les réactions de l'interlocuteur ou l'interlocutrice en face qui peuvent nous heurter, qui peuvent nous surprendre, qui peuvent nous gêner. Par exemple, une personne qui va être speed, qui va être stressée, qui va... Là, j'ai eu l'exemple assez récemment, où, c'est pour le même, mais c'était tellement instructif. J'étais mal à l'aise parce que je n'arrivais pas à parler d'argent, et lui en parlait beaucoup, et en même temps, il disait que la boîte marchait très bien, et en même temps qu'il n'y avait pas beaucoup de budget, etc. Donc, je me suis dit, voilà, comment je vais faire pour mettre là-dedans ? Je ne comprenais pas trop. Et puis, finalement, donc c'était par visio, et quand on s'est rencontrés, et qu'on a abordé tous ces sujets, et qu'on a osé parler de ces sujets-là aussi, des petits points de malentendus de part et d'autre, on a tout décrypté. Et en fait, le temps fait qu'on a pris un café, après il se trouve qu'on est allé à une réunion ensemble, ensuite on a déjeuné ensemble, et là, tout s'est dénoué, et après le déjeuner, et ben, il m'a expliqué son enfance, il m'a expliqué que ses parents n'avaient pas eu d'argent, et donc il a gardé ce... Puis c'est un coup, il a une grande entreprise, mais il a ce réflexe quelque part qu'un euro est un euro et c'est important, donc on n'investit pas n'importe comment. Donc il faut vraiment démontrer l'intérêt de cet investissement, puisque c'est une dépense d'argent quand même, c'est un coût.
montrer pourquoi est-ce que ça va lui être utile, donc comprendre ce lien avec l'argent qu'il a pu avoir, et aussi son stress qui était lié, qu'il a 90 ou 200 personnes à faire tourner, et qu'il a des taux de rentabilité, et qu'il est en permanence en éveil là-dessus. Donc, eh bien, le fait de savoir, le fait d'avoir compris ce contexte que j'ignorais justement peut-être parce que je n'avais pas eu cette première approche de ce contexte, eh bien, a tout changé. Et voilà, il m'a confié une mission que je trouve super, et la relation est devenue fluide. Et là, on échange, et il y a vraiment un passage qui s'est fait de confiance. On lui a confié quelque part de quelque chose de très intime, et ça a tout changé. Donc, je crois que c'est important d'oser aussi parfois peut-être aller questionner. Là, un autre cas un peu différent, mais le contexte familial, pour le coup, là, c'était dossier d'abus de faiblesse, détournement d'argent dans un EHPAD. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait un contexte familial très lourd, que la famille ne se parlait plus, que bref. Et tout ça m'a permis de comprendre la situation, et en fonction de tout ça, on a pu ensuite agir, décider, faire au mieux pour elle. Mais c'était important aussi. Et j'ai senti au cours de la réunion, pareil en physique pour le coup, au départ, la personne était assez crispée, assez tendue. À la fin, c'était fluide et c'était bien. Elle était en confiance, elle était rassurée et tout allait bien. Donc, ce temps d'écoute est important et ça a permis de livrer des informations que j'ignorais absolument, des choses que qui sont importantes. Merci beaucoup, Solène. Pardon, Isabelle, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, c'est exactement ce qu'on disait. C'est en capacité de finalement d'instaurer de la confiance qui va permettre à votre client de se livrer au-delà aussi du factuel. Et quelque part, vous allez vous mettre un peu aussi sur le même ton parce qu'il se livre, vous allez vous livrer, vous allez créer d'autres liens. Et c'est finalement ce qu'on va retenir finalement de la relation, parce que au-delà de l'aspect technique du métier, hein, et d'être un expert de dossier, c'est comment on va savoir instaurer cette relation de confiance, très important. Et c'est pour dire aussi un message un peu positif qu'on peut ne pas être très bon au départ et qu'on peut quand même se rattraper aux branches pour tout un tas de raisons d'ailleurs, hein, faut pas stigmatiser, mais ça peut être lié à la fatigue, ça peut être lié à une gêne comme tu disais, etc. Donc, mais voilà, la discussion apporte toujours la communication. Et il y a assez peu d'erreurs qui ne peuvent pas être rattrapées, on y reviendra un petit peu après. Oui, tout à fait. Il ne faut pas trop se formaliser. Donc, c'était assez intéressant. On a eu beaucoup, beaucoup de témoignages et de personnes qui semblent être en accord avec notre propos. Voilà encore une personne, François, qui nous dit qu'il faut s'intéresser à toutes les formes d'environnement sociaux et que le client teste son avocat et réciproquement, évidemment, dans la communication et dans un rapport, en plus de type client-service, sur des problématiques qui sont souvent difficiles et qui représentent des vraies douleurs au quotidien. Il y a des enjeux des deux côtés et on teste la personne. On va avancer un petit peu parce qu'on a encore beaucoup de choses qu'on veut partager avec vous. Maintenant qu'on est un petit peu dans ce rendez-vous, qu'on est dans les bonnes postures pour écouter parce qu'on est préparé, on a quelques techniques pour essayer de bien comprendre ce que la personne essaie de nous dire, pour la guider, pour l'encourager à aller plus loin dans ses propos. On va essayer de parler un petit peu maintenant des manières pour avoir de l'impact, que ce soit des techniques verbales ou non verbales. On va vous montrer encore une petite slide là-dessus. Isabelle, je te donne la parole. Oui, effectivement, alors avoir de l'impact, c'est en fait, comment dire, c'est quelque chose, ça veut dire faire passer ses messages, voilà, être en capacité de faire passer ses messages comme on a envie de les faire passer en utilisant les registres que nous donne la communication. Alors moi, il y a un petit outil que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup de plaisir à partager, c'est la parabole des quatre éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau. Parce que ça nous permet d'avoir en tête finalement que les ingrédients pour avoir de l'impact en rendez-vous, ils sont sur ces quatre registres.
Alors, vous avez le fond, bien entendu. Hein. Vous avez le fond, vous maîtrisez le fond, vous avez les messages que vous voulez faire passer. L'air, ça va être les temps de respiration. Vous savez, quand vous êtes en entretien, quand vous êtes, que ce soit pour un entretien à deux ou même une présentation en public, c'est un peu normal d'avoir le trac au démarrage. On veut être bon. On a envie de convaincre. Donc, il y a un enjeu. Hein. S'il n'y avait pas d'enjeu, il n'y aurait pas d'envie d'y aller non plus. Hein. C'est un peu les deux revers d'une médaille. Donc, il y a quelque chose à gagner, il y a d'y aller et de partager. Donc, l'air, ce sont les temps de respiration. Donc, au démarrage, avant d'y aller, respirez. Hein. Vous pouvez pratiquer dans la salle d'attente, avant de décrocher votre téléphone, avant de rentrer sur scène. Faites quelques minutes, quelques secondes de respiration diaphragmatique, hein, celle par le ventre, pour vraiment vous connecter aux sensations de votre corps. Pourquoi ? Parce que le corps et le mental, ça marche dans les deux sens. Votre mental, hein, il est là pour vous faire peur. Hein. Votre mental, quand vous commencez à avoir des idées de stress, il ne va pas vous raconter des jolies choses. Il va raconter des choses pour vous faire peur. Hein. Je ne vais pas être à la hauteur, je ne vais pas me souvenir de tout, je ne vais pas savoir répondre aux questions, forcément, parce qu'il y a de l'improvisation. Hein. Tout n'est pas, même si vous préparez, tout n'est pas écrit d'avance. Alors, du coup, votre mental, il va agiter votre cœur, hein, et il va vous physiquement, hein, il va en fait avoir un impact sur votre corps physiquement. Vous allez transpirer, pas très agréable. Vous allez avoir le cœur qui bat fort, vous allez trembler. Ça, c'est votre mental qui vous agite. Mais si, alors, en contrepartie, vous calmez votre corps par la respiration. Vous prenez conscience de votre corps, ça y est, vous êtes vivant, vous êtes ancré. Si vous êtes en rendez-vous, mettez bien vos pieds, on en parlera, vos pieds ancrés. Ben, votre mental, vous allez le calmer, le déconnecter. Donc, c'est très important, la respiration. Et en même temps, ça, c'est important, plutôt que dire « bof », de faire des petits mots de liaison, ben, vous prenez une petite respiration et c'est bon. Alors, le feu, c'est ce qui va vous donner de l'énergie pendant la présentation. Hein. C'est pourquoi vous allez prendre la parole. C'est qu'est-ce que je veux dire à mon public ? Qu'est-ce que je veux qu'il retienne ? Hein. Qu'est-ce que je veux qu'il retienne ? Qu'est-ce qu'il veut qu'il sache ? Qu'est-ce que je veux qu'il ressente ? Qu'est-ce que je veux qu'il fasse ? Donc ça, c'est ce qui vous anime. Hein. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez préparer. Après, la terre. La terre, ça va être notre gestuelle. Hein, on a vu que c'était un autre élément du non-verbal. Et c'est très important. Nous sommes d'abord vus. Donc, la terre, ça va être votre ancrage au sol. Si vous êtes debout parce que c'est dans une réunion que vous présentez, eh bien, ne déplacez-vous à bon escient, hein, pas tout le temps. Gardez bien les pieds ancrés. Hein. Déplacez-vous quand vous changez de partie. Je commence par me présenter, puis après, au niveau personnel, puis après je me déplace pour me présenter au niveau professionnel. La terre, c'est ce qui nous permet aussi de nous rappeler qu'il faut poser notre voix. Hein. Et c'est aussi la place que je vais occuper, poser les yeux sur l'eau, très important le regard. Et enfin, l'eau. Hein. L'eau, c'est le symbole du rythme. Et ça, c'est primordial d'incarner nos propos. S'ils sont paisibles, nous sommes paisibles. Si nous sommes passionnés, ils s'emballent. Hein, ça vaut pour notre voix et pour nos gestes. J'ai une petite anecdote là-dessus. Un de mes managers dans mon ancien travail était très observateur, en fait. Et il m'a dit que les rendez-vous clients, c'était un petit peu aussi comme une partie de poker, qu'il fallait faire attention à sa gestuelle, qu'il fallait faire attention à ses regards, que ça pouvait révéler des choses quand on était plus sur des entretiens qui étaient plus stratégiques. Hein. Ce n'est pas toujours le cas, mais il m'avait dit « Thibaut, tu es assez à l'aise en entretien, ça se passe bien, mais tu as quelque chose qui te trahit. Des fois, on sent que tu es exaspéré par le propos de celui qui est en face et on peut sentir le moment en fait, où tu te décroches et que tu n'écoutes plus vraiment parce que tu es déjà en train de penser trop à ce que tu veux lui répondre. » Il m'avait dit que j'avais un mouvement de recul où je me mettais comme ça. Tout simplement, je me mettais un petit mouvement de recul et je mettais ma main devant comme ça. Donc, évidemment, lui, il me voyait souvent, on partageait beaucoup de réunions, donc il s'en est rendu compte.
mon client s'en est pas forcément rendu compte à chaque fois, je ne pense pas. Mais moi, je me suis dit, mais c'est incroyable, je ne me suis jamais rendu compte que je faisais ça. Et après, j'y ai prêté un petit peu attention. Je me disais, ah, ça m'énerve ce qu'il dit. Et je me reprenais, je me disais, bon, concentre-toi. Parce que tu perds le fil, en fait, à un moment. Tu perds le fil, tes pensées divaguent un petit peu et tu t'es trop focalisé sur ta réponse. Et tu peux potentiellement rater des choses. Et en tout cas, voilà. On m'avait dit ça et ça m'avait surpris. Mais maintenant, après, du coup, j'essayais d'y penser et j'essayais de maintenir mon attention, de maintenir ma posture, de maintenir le regard. Et voilà, ça peut être que bénéfique. Solène, toi, tu veux nous parler en tant qu'avocate, ton expérience sur l'impact, un petit peu des choses que tu aurais vécues, ton sentiment là-dessus. Ça me fait penser à, en fait, une petite parenthèse sur l'ancrage. La position d'ancrage parfaite, c'est celle de la reine d'Angleterre. Il y a 95 ans, mais c'est vrai, tu nous quand tu vas regarder. Je peux pas, là, mais elle se supporte en plus, comme elle doit avoir des postures où elle doit être en représentation sans bouger pendant des heures. C'est un peu la posture qu'on a pour le coup, qu'on apprend quand on est enceinte, à se mettre son bassin un petit peu en avant pour porter le poids vraiment sur les jambes, et on sent l'ancrage. Et en fait, c'est aussi important parce que moi, pour le coup, j'ai fait ces exercices-là. Et j'ai envie de faire aussi une petite parenthèse, mais qui n'est pas anodine, parce que pour la moitié de la population, les 55%, avec ces clichés un peu ou ces habitudes, on met souvent des talons. Alors, c'est bête, hein, mais il y a quand même un vrai enjeu là-dessus. C'est qu'en réalité, on est moins ancré avec les talons. Ou si, parce qu'on porte une jupe, on doit croiser les jambes, on va être en équilibre sur un orteil à moitié, on ne va pas être connecté. Et surtout en fait, pas croiser les jambes. Hier, par exemple, je suis intervenue, voilà, une réunion importante, et à un moment, je n'ai pas été à l'aise, parce que, enfin, on n'est pas les détails, mais c'est quand même, ça concerne beaucoup. Une robe, ok, élégante, maman, je n'étais pas à l'aise, parce que je savais qu'il fallait que je fasse attention à être bien assise, à croiser les jambes, machin. Et j'ai regretté finalement pas être en pantalon, d'être comme les 80, on n'était que 18% de femmes et 82% d'hommes dans la salle, qui sont tranquilles, en pantalon, tout va bien, avec des chaussures confortables. Et bien, je crois que ça a un impact. Pardon, ce n'est pas du tout un truc féministe, etc., mais c'est un vrai sujet. Et donc, peut-être que quelque part, quand on a une réunion, eh bien, moi, maintenant, je mets des talons pleins pour bien être ancrée. C'est tout nouveau, hein. J'ose sortir de ce cliché, parce que vraiment, au contraire, je mettais des belles. Parfois, je peux le faire, mais j'ai su en conscience, parce que depuis que j'ai compris que c'était hyper important. Et avant de prendre la parole, effectivement, je me connectais avec lui. C'est pas que féminin parce qu'on a François qui nous dit que c'est important d'être à l'aise dans sa tenue vestimentaire. Donc on a tous, même en tant qu'homme, on s'est retrouvé avec peut-être une chemise trop serrée, un costard pas très bien ajusté, une paire de chaussures qui fait mal. Mais voilà, on vous mettra en ressources complémentaires une photo de la reine d'Angleterre pour pouvoir. alors Solène, pour la petite anecdote, la reine d'Angleterre, hein, il paraît que dans ses ourlets de jupe, parce qu'elle est tout le temps en jupe. Il y a des petits plombs pour éviter que ses jupes se soulèvent. Ah, ben bah voilà. Vous avez en plus des conseils de beauté. Voilà. Je ne sais pas si c'est confortable, mais en tout cas, c'est pour son statut. Comme ça. Voilà. Bon, reprenons, Solène, alors sur toi, tes conseils avocate pour l'impact ou tes témoignages là-dessus en tant qu'avocate. Oui, mais je pense qu'on l'a déjà abordé un petit peu tout à l'heure sur... le fait de l'importance de démontrer sa plus-value dans ce contexte-là sur l'impact et finalement savoir communiquer sur l'intérêt d'avoir recours à nous plutôt que ou à d'autres d'ailleurs, moi je suis pour le travail en collaboration si c'est nécessaire. Un point relationnel qui me semble important, alors qui peut-être est rarement abordé, mais qui ressemble à un constat, je crois que c'est. Ici, on peut en parler, je ne sais pas si vous voulez, mais est-ce que c'est sur les erreurs relationnelles en fait, qu'on va reproduire souvent ? Est-ce qu'on en parle là ou pas ? Parce que... On peut en parler, bien sûr. Ouais. Et tu veux nous parler du triangle ? Oui, il y a deux choses. Il y a la période de stress. Je pense que c'est important. Parce que, d'ailleurs, avec la CE, on avait fait en 2017 déjà une réunion sur gérer son stress. Ce n'est pas anodin parce que les chefs d'entreprise, beaucoup, ont de plus en plus recours à des coachings comme ça. Pourquoi ? Parce que quand on est en période de stress liée à la fatigue ou à l'alimentation, parce qu'on est en hypoglycémie ou ce genre de choses, notre corps va réagir différemment et c'est là où on va avoir des situations conflictuelles. C'est là où les
contentieux, les conflits vont se cristalliser, mmh. alors qu'on pourrait l'éviter si on avait fait attention. Et ça, on n'apprend pas non plus à l'école. Mmh. Donc, il y a aussi une espèce d'autogestion à apprendre en naturopathie, etc. Et on va reparler, il y en a d'autres qui le font aussi, mais c'est pas si anodin que ça, c'est vraiment un vrai impact. Moi, j'étais dans un cabinet avant, on disait non, on s'en fiche, on travaille 8 heures de suite, on mange pas, on n'a pas le temps. Bah, c'est une erreur monumentale parce qu'en fait, mmh. Le corps il est en stress maximum. Mmh. Et c'est là où on va avoir après, avec le long-film, par exemple, des situations de harcèlement, etc., ou des relations exclusives qui vont naître, qu'on pourrait éviter. Et le deuxième point, c'est peut-être aussi quelque chose que j'ai pu voir alors, beaucoup dans le cadre des missions ordinales, dans différentes commissions, dont certaines conflictuelles, mais d'autres qui ne devraient pas l'être, par exemple au secret professionnel, etc. Et j'ai revu les mêmes comportements. Donc là, on est soit avec des clients, soit aussi entre avocats, hein, c'est important, avocates, de comportements en fait toxiques qui se reproduisent des schémas. Et c'est je suis le sauveur, je veux aider, alors, je ne suis pas compris. Je le diffuse tout de suite, c'est le fameux triangle de Cartman. Voilà. Et ensuite, je suis victime, je vais me plaindre, ça ne va pas, l'autre est méchant et pas moi. Et là, voilà, et c'est vrai que c'est un point que moi j'ai découvert cette chose-là à la fin de l'année dernière. Vous voyez, donc, on apprend en permanence. Et c'est très intéressant parce que maintenant, je l'assiste, en prendre conscience permet de le voir aussi chez les autres. Et peut-être s'auto-corriger de certains comportements qu'on peut avoir, et je ne stigmatise pas du tout, qui sont liés parfois à l'enfance, etc., où on va dans une relation. Et après, je vous laisserai peut-être la parole, Isabelle, qui doit certainement être. Oui, Isabelle, en deux mots, tu nous parleras du triangle après. Oui, tout à fait. Mais moi, ce que je peux juste dire, c'est qu'en fait, on peut reproduire dans le cadre d'une relation professionnelle des travers qu'on porte de manière inconsciente dans le cadre de nos relations interpersonnelles, familiales, amicales, en couple, etc. Et on va retrouver un peu les mêmes schémas qui font qu'après, on peut s'engueuler pour les mêmes raisons. C'est un petit peu trivial, mais c'est ça. Ou au contraire, nourrir une relation, et souvent, on va avoir une sorte de rôle, quelque part, où on va se donner naturellement. Je le dis parce qu'il y a un client aussi qui m'a fait penser la semaine dernière de finalement se mettre en position de sauveur parce qu'on est avocat, on va dire, on va tout faire. Oui. Et en fait, c'est pas ce qu'il attend de nous à ce moment-là. Et si on se met dans la position de sauveur, alors, d'aide, oui, mais pas de sauveur, et ça, ou sauveteur, je sais plus quel est le bon terme, parce que si on commence à mettre le doigt là-dedans, ensuite, on va peut-être passer en persécuteur sans faire attention parce qu'on va être un petit peu trop dirigiste, etc. Ou ensuite en victime en disant, mais je ne comprends pas, il n'a pas voulu me confier toutes les missions, etc. Et on va en fait alimenter un cercle qui n'est pas bon. Donc, Isabelle, je serais heureuse d'avoir ton expertise sur ce sujet. Ouais, en deux petites minutes, Isabelle, est-ce qu'on va, très vite, on va avancer un peu sur le sujet, mais très vite. C'est un concept qui nous vient de l'analyse transactionnelle, hein, qui est une méthode d'accompagnement. Qu'on utilise en thérapie ou en coaching. Alors, si vous avez envie de vous plonger dedans, moi, j'adore, j'ai été formée à l'analyse transactionnelle. On pourrait faire une conférence entière sur les jeux relationnels. Il y a un livre qui est relativement accessible de Jiza Jaoui, qui est la maman d'Agnès Jaoui, qui s'appelle « Le triple moi ». Hein, vous avez peut-être entendu parler du parent, de l'enfant, de l'adulte. Enfin, je ne sais pas si c'est des concepts que vous connaissez. Bon, moi, en tant que coach, c'est des outils. Il y a beaucoup d'outils que j'utilise énormément. Donc, le triangle de Cartman, c'est vous dire que dans une relation, on entre par un bout. C'est-à-dire, soit on se met en posture de sauveur, soit on se met en posture de victime. J'ai trop de travail, j'ai pas le temps, je peux pas faire ça. J'aimerais bien, mais à cause d'un tel, c'est pas moi. Soit on persécute, c'est-à-dire qu'on est effectivement celui qui va donner des ordres. Et en fait, je vais la faire courte parce qu'effectivement, on pourrait y passer des heures. En fait, on dit que dans un échange, on va passer notre temps à passer de l'un à l'autre. Hein, voilà, parce qu'une victime va se rebeller, va persécuter, puis après, elle va vouloir sauver. Donc, on va passer là-dedans. Et en fait, comment sortir de ça? En fait, le truc, c'est de ne pas rentrer là-dedans. C'est-à-dire, en fait, dans une relation, c'est difficile, hein, se donner à la fois des protections, le droit de dire non, par exemple, le droit de dire non à quelque chose, pour pas, si on nous demande un service, ben, éventuellement, on va dire non,
parce que sinon on va accepter, finalement on veut pas le faire, et puis on va se victimiser, ou alors on va persécuter celui à qui on a dit oui. Donc c'est soit se donner des protections, soit se donner des autorisations, donc des limites, hein, de se dire moi, sur certains sujets, j'ai besoin, par exemple, j'ai besoin d'entrer chez moi à 19h parce que j'ai une vie de famille, je vais m'autoriser à le faire, plutôt que de faire la victime ou de persécuter mon patron parce qu'il va m'obliger à rester jusqu'à 19h. Et en fait, on dit protection plus permission, autorisation, égale puissance. C'est là que vous serez puissant dans votre relation. Puissant, ça veut dire que vous exprimerez juste qui vous êtes. Il n'est pas puissant dans le sens d'écraser, parce que dans la relation, le sujet n'est pas d'écraser l'autre, mais simplement vous exprimerez, vous serez puissant, vous serez à l'aise, et parce que ça sera juste pour vous. Bon, je vais passer de commentaires parce que je vous ai fait rester très tard hier soir pour m'aider à finir de préparer ce webinaire. Je vous en remercie. On va avancer un petit peu parce qu'il y a d'autres choses que je voudrais qu'on aborde. On m'a parlé de Berne. Que dites-vous après avoir dit bonjour, qui était apparemment la bible de l'analyse transactionnelle. Tout à fait. Je vous conseille de ne pas commencer par lui, c'est incompréhensible. Commencez par Gisa Jagui. De toute façon, on vous enverra le PowerPoint et on mettra aussi des ressources complémentaires. On mettra les livres qu'on a cités, toutes ces choses-là. En deux petites minutes, moi, je vous parle rapidement de la carte d'empathie, mais c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à comprendre. Vous pourrez essayer de vous en servir, de faire le test. C'est assez amusant, c'est assez pratique. Il faut être en confiance sur l'objet du rendez-vous, il faut appliquer quelques techniques de base pour une bonne communication, et on l'a dit, il faut pouvoir se mettre un petit peu dans la peau du client. On sait les questions qu'on peut lui poser, mais maintenant, avec cet outil, vous allez pouvoir véritablement essayer de vous mettre dans la peau du client. C'est un outil de design thinking, ce qu'on appelle, pour mieux comprendre l'environnement, les besoins, et ensuite faire des meilleurs choix dans la conception de la proposition de valeur, dans la conception des dossiers que vous allez travailler avec lui, dans la préparation d'un échange ou pour toute autre décision stratégique. Et en fait, là-dedans, vous allez vous mettre dans la peau de votre client, essayer de vous dire qu'est-ce que cette personne voit, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle entend au quotidien. Et en fait, ça permet d'avoir un petit peu de l'empathie et de faire abstraction en fait, de votre propre univers de référence. Et avec ça, vous aurez sûrement une meilleure expérience utilisateur parce que vous aurez fait l'effort et l'exercice de sortir de votre expertise, sortir de votre univers personnel que chacun a pour essayer de vous mettre dans la peau de votre client. Donc voilà, cet outil, on ne va pas s'y attarder trop longtemps dessus, mais je vous invite à faire le test. Et avant de passer à la seconde partie, plutôt sur le réseautage, on va dire, qui est tout aussi intéressante, on avait préparé quelques petites situations. Donc là, je vais vous demander de passer dessus vraiment en deux mots pour qu'on garde un peu de temps pour la suite. Mais voilà, en deux mots, à chaque fois, ce n'est pas aussi simple. Je vais vous donner 30 secondes pour me dire qu'est-ce qu'on fait pour réagir. Première situation, un interlocuteur en colère. Arrêtez de hurler, je suis très calme. oui, en fait, quand l'interlocuteur est en colère, toute autre émotion très très forte, eh bien, reconnaître cette émotion, l'accueillir. Parce que tant qu'il sera dans son émotion, il ne sera absolument pas capable de vous écouter ni d'écouter tous les arguments rationnels que vous pourrez lui donner. Donc, acceptez-le, reconnaissez-le. D'accord. On me dit au passage, je vous le cite parce que c'est gentil, grande qualité des intervenants de ce soir, si j'étais client, je serais en confiance. C'est que vous avez des grandes qualités de communicante. Comment réagir à un interlocuteur qui vous menace ? Alors, menace. Déjà, reformulez ce que vous venez d'entendre, parce que menace, c'est quand même un terme fort, c'est violent. Le temps que vous reformuliez ce que vous venez d'entendre, la menace, ça vous permet de laisser passer l'émotion, hein, pas surréagir. Donc là, c'est là qu'il faut adopter le mode de communication non violente, quelqu'un l'a cité, et dire, voilà, quand vous me dites que, la menace, je me sens menacée, et puis vous exprimez votre émotion, hein. Je me sens en insécurité, je me sens choquée. Bon, ce qui est difficile, c'est de trouver le bon mot dans l'émotion, ni trop faible,
ni trop fort en proportion de la menace. Alors, on va prendre un cas pratique du public, de Gilles, qui nous dit « Que faire quand deux conseils pour une même partie ont un discours qui est dissonant vis-à-vis de l'interlocuteur ?» Ça, c'est assez intéressant. Dissonant, c'est-à-dire ils sont deux face à vous et ils ne disent pas la même chose. Ils sont pour la même partie, mais les deux vont dire des choses qui ne sont pas forcément alignées. Solène, tu as déjà vécu ça en tant qu'avocate ? Deux confrères, alors ça se prépare en amont, parce que sinon il peut y avoir effectivement une sorte de lutte d'ego ou de c'est moi qui ai raison et pas l'autre. Alors là, c'est un peu ennuyeux. Évidemment, je privilégie le dialogue en amont pour avoir une stratégie commune. Et si ce n'est pas le cas, eh bien. C'est possible de dire je suis gênée. Quand je vous entends, j'ai quand même l'impression que je n'entends pas la même chose. Ça me gêne, peut-être. C'est possible pour vous, les avocats, de dire ça ? Parce que moi, dans les réunions, je peux le dire quand j'ai des clients qui ne me disent pas la même chose sur une situation. On a une petite précision de Gilles qui nous dit « ou alors quand le client et son conseil ne sont pas d'accord vis-à-vis d'un inspecteur ». Moi, je dirais que c'est l'avocat qui doit essayer d'encadrer un petit peu son client. Ah oui. On l'a vu avec Eric Moretti à l'époque où il était avocat, n'est-ce pas ? Il a eu le confrère, le maire de Valois, qui a sorti l'énormité devant les médias. Et là, il n'a pas pu s'empêcher de dire « mais vous ne participez pas à tâche, que vous. » Alors, c'est vrai que ça a été capté, mais c'était génial parce que c'était vraiment exactement… C'est à l'avocat de cadrer, effectivement. Ben, on peut facilement trouver les images de ça pour ceux qui veulent voir. C'est vrai que c'était assez, assez sec et net. Comment réagir à un interlocuteur plus expérimenté que vous ? Oui, alors ça, c'est une observation que je me permets de formuler. Quand le client, par exemple, ou la cliente, est beaucoup plus âgé, il a 60 ans, une expertise, une habitude de travailler à l'ancienne, entre guillemets, ou de main à main avec ses copains avocats, et qui a peut-être aussi une vision a priori sexiste, malgré lui, il n'y a aucun jugement, mais c'est une possibilité, par l'histoire, etc. C'est un sujet qui revient et qui peut être une... Voilà. Alors, comment on réagit quand il y a une personne qui est plus expérimentée, à tort ou à raison ? Aussi, quand on est jeune avocat et qu'on a en face quelqu'un qui connaît visiblement mieux le sujet que nous, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de... Alors, à l'anglaise, si vous... fake it until you make it, on reconnaît, écoutez, je ne sais pas, je vais regarder, je vais fouiller, et je vous répondrai plus tard. Je pense qu'il faut vous mettre mal dans une mauvaise situation. Hein. Si vous êtes là, c'est sûrement que vous avez quelque chose à y faire. Vous pouvez de toute façon montrer quand même votre expérience par une répartie des exemples qui prouvent que vous connaissez le sujet plutôt que le dire. Et puis, soyez naturel, répondez si vous ne savez pas si c'est le cas. Ça, encore une fois, ça renvoie à l'humilité. Ça, c'est un des grands conseils qu'on m'a donné en tout début de ma carrière. On veut s'affirmer, on veut essayer de montrer qu'on sait absolument. Et en fait, non. Les avocats, les plus expérimentés, les juristes les plus expérimentés, c'est ceux qui vont parler uniquement quand ils ont besoin et quand ils sont certains de leurs propos. Et il n'y a aucune honte, au contraire, il y a beaucoup de respect quand on va répondre. Écoutez, je ne sais pas. Ou alors, c'est plus compliqué que ça. Je ne peux pas vous donner une réponse aussi simple. Je vais vérifier. Reviens vers vous, parce qu'en plus on se fait piéger. Hein. Moi j'ai déjà essayé au tout début de répondre des choses parce que je me sentais obligé, que ça me stressait d'avoir rien à répondre et que j'avais peur qu'on ne me prenne pas au sérieux. En fait, quand ça s'est avéré être trop léger par la suite, c'est à ce moment-là qu'on n'a pas pris au sérieux en fait, parce qu'on n'a pas eu l'humilité de dire je ne sais pas et il faut que je revienne vers vous. On peut dire non, c'est important. Un interlocuteur qui vous drague. Et oui, par exemple, auriez-vous un créneau pour parler du dossier et la réponse qu'on reçoit, c'est êtes-vous libre pour dîner ? Je serai passage à Paris, je n'ai pas d'autre créneau. Alors là, on refuse de dîner pour parler boulot. Vous dites que c'est un moment réservé pour votre vie privée. Vous recadrez gentiment en rappelant le contexte pro de votre rendez-vous. Hein. Ça fait partie de l'apprentissage de dire non, en fait. Alors, si on a fait une mauvaise première impression, ce qui peut arriver, ce qui nous est sûrement tous déjà arrivé, est-ce qu'il faut se laisser abattre ? Est-ce qu'il faut ne plus jamais rappeler le client ? Est-ce qu'il faut changer de métier ? Heureusement que non, parce que sinon… il n'y aurait plus beaucoup d'avocats, peut-être. Oui, il y a plus beaucoup d'avocats et plus grand monde dans le monde de la vie professionnelle. Non, si on a fait une mauvaise impression, déjà… est-ce qu'on vous l'a dit ? Est-ce que c'est vous qui vous posez des questions ? Comment ça s'est manifesté cette mauvaise impression ? Est-ce que c'est par rapport à
une idée, parfois une pression que vous vous mettez vous-même. Donc déjà, relativiser ça, hein. On peut ne pas être satisfait de soi, mais finalement, la personne en face, elle peut avoir, être contente. Alors, si effectivement, vous avez vu, ou même il y a eu des mots exprimés, comme quoi les choses ne sont pas passées, c'est aussi une question d'humilité. Si vraiment c'est important pour vous, passez un coup de fil, rappelez, réorganisez un rendez-vous et puis dites-le quoi. J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est pas passé entre nous, ça m'ennuie parce que toujours plus de communication, c'est la réponse. Exactement. Et on va terminer, on ne pourra pas faire les deux exemples parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Le client qui ne paye pas, c'est peut-être le plus classique. Comment réagir à un client qui ne paye pas? Une demande délicate, voilà, c'est un peu la même chose. Comment appeler quelqu'un pour lui demander de vous payer? Alors, il y a plusieurs. J'ai juste faire une petite parenthèse. C'est, enfin, explication. Souvent, justement, la non-paiement de facture, on le retrouve aussi en contentieux. C'est lié à une difficulté relationnelle. En réalité, je ne paye pas parce qu'en fait, je ne suis pas content de quelque chose qui fait que, la procrastination va s'exercer de cette manière-là. Et si on va identifier la source, on peut libérer cette énergie, j'ai envie de dire. Ou alors, je recommande, là, j'ai envie de faire un petit pop-up sur un groupe Balint, ça s'appelle Balint, je pense qu'il y en a partout en France, B-A-L-I-N-T. Les groupes. Qui, à titre perso, groupe de discussion inter-avocat, justement. Et moi, on le mettra ça aussi en ressources. On le mettra aussi en ressources. À libérer une paiement de grosse facture que je n'arrivais pas à demander, je n'osais plus. Et ben, j'ai utilisé les techniques qu'ils m'ont données et le client m'a payé en me remerciant. J'ai dit, oh, bah, chou. Alors que c'était des mois que je n'osais pas lui demander. Et comme le dit François, bien débattre avant toute chose de la convention de honoraire. La transparence. La transparence. Et ce qui fait partie de la communication, en fait. Il faut comprendre que le client a envie d'être rassuré, il ne comprend pas forcément. Pour lui, c'est opaque. Pour lui, il ne connaît pas du tout cette expertise. Donc, encore une fois, communication, transparence, expliquer ce qu'il va payer, comment, pourquoi, depuis le début. Bon. C'est cadré, en fait. Ne pas oublier de parler hors taxe ou TVA. J'ai fait l'erreur cette semaine, on n'y reprendra pas. J'ai annoncé le tarif, c'est un particulier, et là, je dis merde, parce que habitude pour les entreprises hors taxe, et là, non. Donc, moi, clarté. On file vers la deuxième partie qui est tout aussi intéressante, qui est plus courte, bien sûr, mais où il y a beaucoup de conseils. On va aborder le développement de son réseau. Comme on l'a déjà abordé, la profession d'avocat se transforme, elle est plus concurrentielle. Et pour cela, il faut certes développer des nouvelles compétences, appliquer les excellents conseils qui vous ont été livrés ce soir par Isabelle et Solène, mais également développer son réseau. On va le voir de nos jours, le réseau peut se faire en ligne avec un site vitrine, avec un réseau social professionnel comme LinkedIn. Il y a encore une grosse marge de progression sur la profession, sur ce terrain. On estime actuellement qu'il y a 58% des avocats qui ont un site internet et seulement 20% qui communiquent sur leurs réseaux sociaux. On ne dit pas que c'est essentiel, mais ça peut servir, ça peut apporter beaucoup de choses. Et l'avocat, il peut saisir ces opportunités qui peuvent lui permettre de se démarquer pour aller à la rencontre de nouveaux marchés, pour s'adapter, encore une fois, à cette profession qui change et à ce turnover qu'il y a chez les avocats. Chaque année, 4 ou 5% de nouveaux avocats. Voilà, il faut s'adapter à tout ça aussi. Et également, à côté du réseau plutôt, on va dire, digital et des nouvelles opportunités dues à l'évolution de la profession, le réseau au sens plus traditionnel, plus réel, plus en personne, qui demeure véritablement essentiel. Les déjeuners, les rencontres informelles. Et donc, on va vous donner plusieurs moyens de développer son réseau avec Solène et Isabelle. On a une liste qu'on a préparée pour vous, qu'on vous remettra également. Solène, avant de commencer avec cette liste, ton impression, toi, en tant qu'avocate, sur le relationnel, l'importance du relationnel en personne, et l'importance du relationnel de manière générale, au-delà de la communication, de développer son réseau, d'essayer de détendre son réseau. Je pense que c'est en fait totalement fondamental, parce que pour reprendre un peu l'idée de mon sens, si on reste dans son coin, seul et isolé, on ne pourra absolument pas du tout imaginer développer son réseau. Et ce qu'on doit avoir aussi en tête, c'est qu'en fait, on est quand même avocat aussi en permanence. Ça, c'est aussi un sujet que je dis lors des prestations de serment.
Vous avez toutes et tous eu la petite question du samedi soir à 22h30, ou voire une soirée, c'est à 4h du mat qu'on vous a confié quelque chose. Donc, quelque part, on est un peu en représentation en permanence, même s'il y a évidemment des périodes plus calmes. Mais néanmoins, le réseau, c'est un peu, il peut s'entretenir tout le temps, même dans le tissu amical ou relationnel au sein de la profession. Et il ne faut pas négliger non plus le contact avec les confrères et les consoeurs, qui est fondamental, parce qu'il y a beaucoup de prescriptions de confrères pour des dossiers. Et là, vraiment, moi, je prône le travail en collaboration, qui n'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup d'individualisme dans notre profession. Et puis, comme on a peur, parce qu'il faut se démarquer de ces 70 000, on sent, alors là, très clairement, quand on commence à dire on peut travailler en groupe, etc. Certains vont le faire, ils ont pris le pli naturellement. Est-ce qu'on peut créer des offres ensemble? On est beaucoup plus puissant sur les façons de faire alliance quand on ne sait pas tout, parce que ce n'est pas possible d'être bon sur tous les sujets. Mais je sens aussi parfois des crispations. Ah là, c'est moi, c'est ça, je ne peux pas. Si jamais je fais ça, je vais perdre mon client. Donc il faut de la confiance, de la loyauté, de l'entraide. Et là, alors prenons l'exemple de l'ACE, qui pour moi est un formidable syndicat. C'est lequel... parfait, parce que la première recommandation ou piste, c'est rejoindre une association ou un syndicat. Alors, je vais vous dire comment je suis rentrée à l'ACE. Il y avait des, j'ai reparlé qu'il y avait des petits déjeuners, café croissant, avec des thématiques super intéressantes à côté de mon cabinet. Je dis, ah, c'est sympa. J'y suis allée. Et du coup, attention à l'hypoglycémie d'ailleurs, voilà, c'est comme ça, tout se rejoint. On est passé après aux amandes et aux têtes dures, mais autour de quelque chose de convivial, eh bien, finalement, j'ai découvert des relations, des formations intergénérationnelles en plus, super intéressantes, avec des confrères de tous les horizons et toutes les structures et tous les domaines. Donc, très, très enrichissant. Et au final, je me retrouve élue au conseil grâce à la CE et présidente d'une commission et à faire des liens et encore, qui sont encore à développer. Et voilà, il y a un frère qui m'a dit, tiens, il y a eu un dossier de handicap médical, j'ai pensé à toi. Et j'ai eu le dossier grâce à lui, il a fait l'intermédiaire. Et donc, savoir parler de soi, c'est important, c'est pas si évident. Je pense que même pour les confrères et consoeurs, mais ça c'est pour le fruit d'un long apprentissage, dire je fais du droit des affaires, du droit du travail, du droit de la famille, qu'est-ce qu'on retient de ça? Rien. Donc l'idée, c'est d'apprendre, une sorte de pitch, je crois que Thibaut, toi, tu sais faire ça parfaitement. Peut-être, c'est pas si facile que ça, mais peut-être en s'appuyant sur des exemples, là c'est facile. On va en reparler un tout petit peu plus tard. On va en reparler un tout petit peu plus tard. On va rester juste sur, pour l'instant, les petites pistes. Après, on va parler un petit peu de conseils plus généraux pour aborder ces différentes situations. Comme tu le disais, voilà, rejoindre les événements de la profession qui étaient liés un peu à ta première observation sur les associations et le syndicat, qui peut naturellement guider à organiser ses propres événements au bout d'un moment. Faire du réseau interbarreau. Oui. Toi, tu m'en avais parlé. Bah oui, moi, je suis une provinciale. Hein. Je suis quand même bien de Limoges, alors je reste fidèle. Non, mais par exemple, exemple concret, la dernière convention nationale des avocats à Bordeaux, j'ai retrouvé un confrère avec qui j'étais à l'école à Lille. Et ben, on est resté en lien et là, il m'a confié un petit dossier de postulation, mais j'en suis ravie, post-Covid, c'était bien, au tribunal de commerce. Cet été, j'ai repris contact avec un confrère de Limoges que je n'avais pas eu depuis 20 ans et je sais que potentiellement, on pourra, pourquoi pas, faire des offres ensemble un jour aussi. Donc, ce lien relationnel et amical est important. On ne sait jamais ce qui peut. On ne va pas le faire pour ça. Moi, je n'imaginais pas en voyant des copains que ça peut aussi, pourquoi pas, donner du business. Un autre aussi de Lille, donc c'est important. Et puis, moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de l'expérimenter, notamment par la CE, par exemple, une offre que j'ai développée. Si là, dans la liste des personnes qui assistent, vous faites conseil d'entreprise, eh ben, on peut créer quelque chose, par exemple, sur le bien-être, la qualité de vie. Et on partage, parce que c'est normal, parce que c'est vos clients, il y a de la loyauté. Oser le travail en collaboration. Voilà. Et là, j'ai aussi le faire alliance avec un confrère bien plus important que moi. On verra, mais a priori, ça va le faire. Je n'aurais jamais eu le dossier sans lui, lui n'aurait pas eu sans moi. Et en fait, on peut faire des alliances stratégiques et intelligentes sur nos compétences. Donc, je pense que c'est important. Donc voilà, il y a au sein de la profession, évidemment, et c'est vraiment important de ne pas rester seul. L'ordre voilà. Aussi, ce n'est pas que du sanction, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Et je sais que se mélanger avec des non-avocats également, comme Isabelle que j'ai rencontrée, moi, un adhérent voilà. De l'ACE, et qui est non-avocate. Donc elle aussi se mélange avec des non-coachs. Et c'est aussi comme ça qu'on,
Je trouve que les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui dans notre société sont des problématiques complexes et que c'est presque prétentieux de penser qu'on a réponse à tout et on est plus intelligent à plusieurs. Donc, c'est très important de s'associer, de partager et de créer du collectif, en fait, hein, de la coopération. Et les réussites communes sont souvent encore plus gratifiantes que les réussites individuelles. On a encore François qui est bien dans les temps parce qu'il nous dit LinkedIn n'apporte pas en soi de dossier, mais permet d'en adresser à des confrères. Et c'est un petit peu nos deux points suivants. C'est, créer structure en commun, on en a parlé, mais les réseaux sociaux, qui sont des outils qui sont maintenant à disposition de l'avocat, qui ne permettront pas forcément qui ne vont pas vous apporter dès demain 50 dossiers, mais qui participeront nécessairement à votre visibilité, qui vont aussi participer pour le client à vous humaniser, à mieux vous comprendre, à vous sentir un peu plus accessible. Il y a des avocats qui communiquent sur LinkedIn, le réseau professionnel, bien sûr, mais il y a aussi des avocats qui communiquent sur Twitter, qui partagent un petit peu leurs humeurs, leurs pensées sur la profession. Il y a des avocats même qui communiquent sur Instagram, ceux qui font des choses comme du legal design, ceux qui font des choses comme ça. Et ça participe à votre rayonnement. Mais par contre, ça ne permet pas forcément d'apporter des dossiers, mais ça permet d'échanger avec des confrères et éventuellement de faire le retour d'ascenseur. Et ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le « pay it forward ». C'est rendre des services de manière désintéressée, si possible, mettre en relation, aider les gens quand on peut les aider. Et c'est la roue tourne, quoi. Si vous aimez rendre des services, si vous le faites naturellement, un moment, peut-être que dans l'autre sens, ça va payer. Ou alors, si vous avez besoin d'un service, vous serez plus à l'aise pour le demander parce que vous avez construit une relation de confiance avec la personne. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le pay it forward, et qui a toujours bien marché pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Solène, Isabelle. Ah oui, complètement. Je vous conseille de lire un très bon bouquin. Moi, j'aime bien les livres, tu disais ça. Note-le pour les ressources complémentaires. Qui est la révolution du don, je le note. Hein, savoir donner, recevoir, rendre. Semer pour récolter, nous dit Guy. Exactement. Donc, ça vient de Marcel Mauss, un sociologue, mais ça a été réécrit récemment. C'est très intéressant et que pour qu'une relation perdure, vous êtes un métier où vous vous associez aussi, pour une relation perdure, c'est très important de savoir entrer dans cette roue du donner, recevoir, rendre, qui est très intéressante et enrichissante. Mais ce n'est pas facile. Et dernier conseil pour qu'une relation dure, c'est que le réseau, ça peut se faire assez naturellement, surtout si on apprécie l'exercice, mais le réseau, il faut l'entretenir, et il faut faire l'effort de l'entretenir. Par exemple, avec un des premiers conseils professionnels qu'on m'avait donné aussi, d'envoyer des vœux à la nouvelle année. Ou sinon, moi, des fois, je me bloque des sessions pendant une demi-journée ou une journée dans le mois, plutôt une demi-journée, je vais me dire, voilà, je prends des nouvelles des gens qui m'ont aidé, je prends des nouvelles de mon réseau, j'écris des messages pour voir où ils en sont sur leur projet. Et il faut entretenir le réseau. Le réseau ne se survit pas tout seul, seulement parce que les gens vous suivent. Ça doit aller dans les deux sens. Il y a quelqu'un qui nous dit « Je viens de publier un article en trois parties sur mon profil LinkedIn pour conseiller les clients afin de mieux communiquer avec leurs avocats, vu du côté client. » Donc, point de vue inverse à votre excellente conférence. Merci. Mais je serais très content de le voir si vous pouvez nous l'envoyer via LinkedIn, comme on venait d'en parler. Il y a le lien qui est là. Voilà. Alors, je me le mets de côté. Je le lirai avec grand plaisir. Et si vous permettez, peut-être qu'on le mettra en miroir de nos propos. J'espère qu'il fonctionne. Normalement, ça a l'air de fonctionner. Ça s'est ouvert. On va finir par des conseils assez généraux sur tout ce qu'on vient de se dire. Tout d'abord, il faut se faire violence. C'est ce qu'on disait quand on en parlait en préparant avec Solène. C'est qu'on regrette rarement de s'être lancé. Et comme disait Solène, si on rencontre personne, alors il ne peut rien nous arriver. C'est possible de se développer. On sait que ce n'est pas facile, en fait. On sait que ce n'est pas évident. Mais personnellement, moi, il y a plein de fois où je n'avais pas envie d'y aller. Il y a plein de fois où ça m'embêtait de pas faire ça. Mais j'ai rarement regretté, en fait. 90% des fois, c'était des moments agréables où j'ai rencontré des personnes qui avaient, elles aussi, envie, en fait, juste de parler, d'échanger, qui n'étaient pas forcément là pour réseauter à tout prix. Isabelle, je t'ai rencontrée dans le cadre d'un de ces événements.
où je me rappelle ce jour-là, j'avais pas forcément envie d'y passer. Je me rappelle ce jour-là, j'étais fatigué, grosse journée, j'avais pas forcément envie d'y passer. J'avais plein d'autres choses à faire le jour même, à terminer pour le travail. Mais voilà, on ne serait pas rencontrés, on ne serait pas là aujourd'hui avec la CE à faire des webinaires tous ensemble. Pensez à personnaliser vos messages. Ça, c'est quand vous serez plus sur la phase d'entretien de votre réseau, de relance. C'est bien, c'est pas grave d'envoyer des messages un petit peu à plein de gens en même temps, mais essayez de les personnaliser, de mettre le prénom de la personne, de rappeler une anecdote, un souvenir de votre rencontre, un événement en commun auquel vous avez participé. Ce sera plus engageant pour la personne qui reçoit. Le véritable secret, ça va être d'être véritablement désintéressé. Donc ça, on ne le devient pas du jour au lendemain, mais si vous êtes désintéressé, si vous êtes par nature ouvert, curieux, et que vous prenez cette habitude, si vous êtes des personnes qui aiment discuter, qui aiment parler, très naturellement, vous pourrez progresser dans la conclusion de votre réseau. Donc, il faut se forcer un petit peu, mais rapidement, ça devient une habitude. Solène, tu en parlais tout à l'heure, je suis désolé, je déroule un petit peu, mais comme ça, on a le temps de finir dans les quelques minutes qui nous restent. Moi, c'est un truc qu'on m'a conseillé, en fait, et que j'ai remarqué que même moi, en fait, ça m'enlevait énormément de stress ou du fait, des fois, j'ai pas envie de me présenter, ou des fois, je trouve même pas que ce que je fais à un instant T est très intéressant et j'ai l'impression que j'arrive pas à l'exprimer et que ça a pas beaucoup d'impact chez la personne à qui j'en parle, ce qui me donne encore moins envie de le partager. J'ai plus envie de savoir eux ce qu'ils font, mais en fait, c'est dans les deux sens qu'il faut le faire. Et ce qui est une bonne chose à faire, c'est un entraînement, en fait, à verbaliser son activité, savoir la rendre intéressante, avoir toujours 2-3 anecdotes sous le coude de choses qui vous ont plu, qui vous ont marqué, qui vont vous aider à montrer votre intérêt pour le travail. Et en fait, toutes ces choses-là, les personnes s'en souviennent avec quelques points clés que vous aurez en tête et qui fonctionnent bien. Si vous êtes toujours en binôme avec la même personne, vous verrez que souvent, elle va faire les mêmes choses. Vous vous direz, je connais ces histoires-là par cœur, mais les personnes en face, non, et elles fonctionnent bien. Et pour vous, ça vous enlève une dose de stress. Et c'est un bon brise-glace, on va dire, pour commencer une conversation, parce que vous avez un petit peu votre petit speech. Très important de préparer son pitch d'introduction. Voilà, comme on le disait tout à l'heure. Avoir une coloration peut être intéressant. Il faut parler de ses activités extra-professionnelles. Il faut être soi-même. Il faut parler de ses passions. Alors évidemment, il faut garder en tête l'objectif du rendez-vous ou l'objectif que vous vous êtes fixé. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant d'aussi parler de soi et de demander des questions sur l'autre. Vous vous ouvrez, la personne s'ouvre et c'est plus juste un exercice désagréable, purement professionnel. Et enfin, les opportunités offertes par les nouvelles technologies. Je vais vous laisser en 2-3 minutes réagir, Solène, Isabelle, si vous voulez, à ces conseils généraux pour donner 2-3 conseils de fin à nos auditeurs. Et je me verrai dans l'obligation de conclure ces échanges passionnants pour tenir les délais que nous nous étions fixés. Pour effectivement parler un peu aussi d'expérience, finalement, moi je me souviens que, puisque je suis aussi entrepreneur, mais que depuis 8 ans, après avoir été longuement salarié, et il y a 8 ans, j'avais demandé à une amie comment tu fais pour démarcher, quoi. C'est comment tu fais dans tes rendez-vous de prospection, c'est quoi ton truc? Et elle m'avait dit, en fait, je ne vends rien, je vais rencontrer quelqu'un. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a marqué dans son conseil. Donc, elle m'a dit, je m'intéresse, je rentre dans le bureau, je vais voir un tableau, je vais voir dans la salle d'attente un article, je vais voir dans les locaux en arrivant, je vais voir un projet, une communication. Donc, je prends ça et c'est mon entrée en matière. Et j'ai trouvé que c'était une approche intéressante. Et elle m'a dit,
En fait, parfois, il y a des, ça ne marche pas, bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups. Je ne sors pas avec un contrat, mais on me rappelle. Et parfois, on me rappelle parce qu'on s'est souvenu d'une anecdote que j'avais partagée. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et aussi, finalement, ça permet de décompresser, de se mettre moins de pression. Oui, alors exactement. Et alors, peut-être un conseil, mais vraiment, peut-être... Le meilleur, c'est d'être soi-même, parce que c'est pas la peine d'essayer d'imiter quelqu'un, ou même qu'on admire, ou voilà, notre modèle. Alors, c'est pas évident, parce que ça fait c'est le fruit de tout un travail personnel, humain, surtout quand il y a plein de blocages dans nos vies qui fait qu'on n'ose pas pour certaines choses. Et ça peut valoir le coup d'avoir un travail comme ça sur soi pour comprendre pourquoi est-ce qu'on va avoir des difficultés relationnelles. Merci pour la personne qui dit qu'on est des très bonnes communicantes, parce qu'elle est, vous dirait que je suis une immense timide et qu'il m'arrive de rougir terriblement devant une personne et que j'étais petite, je ne décrochais pas le téléphone tellement j'étais stressée. Donc, je me fais violence quand même en permanence, cette nature revient tout le temps, et pour autant, j'ai pris plaisir parce que j'aime tellement rencontrer des personnes et voir les personnes qu'on peut découvrir que. Là, j'aime beaucoup. Ce soir, je suis ravie et j'apprends énormément et c'est un bonheur. Mais donc, voilà, le côté d'être soi-même, ouais, de confier même parfois des fragilités, des faiblesses perçues pour les avocats. Et puis, alors, quand même, un petit conseil, en tant que membre du Conseil de l'Ordre, attention quand même à l'article 10 du code de règlement intérieur et d'être pour faire de la communication, bien sûr, mais dans les règles, évidemment, des règles de déonto, donc on n'a évidemment pas le temps de développer, mais il y a quand même on progresse énormément, mais quand même, vigilance, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Dernier point aussi, parce qu'on va faire un article là-dessus avec une consoeur, de la bienveillance sur les réseaux sociaux, aussi, on s'exprime, et je pense qu'apprendre à avoir une relation pacifiée, et ben c'est très agréable, en fait, et ça permet de découvrir les personnes. Donc voilà, On va aussi faire des formations, nous, sur les réseaux sociaux. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous suivre avec SideQuest. Il y a des formations là-dessus qui vont sortir. Il y a une formation avec Isabelle qui est en discussion, peut-être avec Solène, qui nous a apporté tellement de choses ce soir qu'on va essayer de recruter, à mon avis. Je suis dans l'obligation de terminer et de conclure. Vous pourrez retrouver tous les points principaux de cette intervention dans le support qui vous sera transmis par mail. Et il y aura le lien pour accéder à la vidéo. On va ajouter également les ressources complémentaires desquelles on a pris note ce soir. Essayez d'appliquer ces conseils. Essayez à l'occasion un ou plusieurs des outils qu'on vous a donnés. Essayez de constater par vous-même les résultats sur vos échanges avec vos clients. Ce qui est important, c'est surtout de vous laisser de la place pour le retour d'expérience. Apprendre à mieux vous connaître, vos forces, vos faiblesses. En cas de succès ou d'échec, il faut juste le temps de prendre le temps de comprendre un petit peu les causes. Bien sûr. Avoir une communication et un relationnel efficace, si on peut, mais c'est une amélioration continue. Il faut essayer avec humilité de toujours chercher à faire un petit peu mieux, toujours se remettre en question, toujours être dans l'attitude, on se remet en question, où on peut voir comment progresser. Donc les résultats, ça va se ressentir sur la qualité de vos échanges, la simplification de certains rapports que pour l'instant pouvaient être conflictuels ou complexes. Ça peut vous apporter de nouvelles opportunités, comme on l'a montré. Et ça va bien sûr participer sûrement grandement à la satisfaction de vos clients. On n'a pas eu le temps d'aborder la déontologie, mais bien sûr, gardez en tête les règles en ce qui concerne la communication, la sollicitation, le partage des avis clients, le référencement. Depuis cette année aussi, sur l'affichage de vos spécialités, regardez bien tout ça. On espère vraiment que vous avez apprécié ces 2 heures à nos côtés. Je me permets de parler au nom d'Isabelle et Solène, à qui je donnerai 2 petits mots pour finir aussi, que voilà, on a pris beaucoup de plaisir à préparer tout ça. Je remercie encore la CE pour cette collaboration qui commence et qui est pour l'instant très agréable. Je remercie évidemment mes 2 invités qui ont eu des interventions d'une très grande qualité. Et bien sûr, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, pour votre présence ce soir, pour votre présence active et dynamique, pour vos observations, pour vos commentaires, pour votre partage d'expérience. On va refaire un webinaire d'ici une quinzaine de jours où on vous présentera plutôt des outils qui permettent de créer des propositions de valeur, des outils de design thinking, les BP Canva, les VP Canva. On vous expliquera tout ça. Ça vous aidera là aussi dans votre relation client
à pouvoir mieux préparer et créer des choses avec lui ou pour lui. On va revenir vers vous avec plus de détails dans le petit mail qu'on vous enverra avec toutes les infos. Voilà, donc pour ma part, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Isabelle Solène, je vous laisse saluer le public et ensuite on va devoir vous laisser. Et merci pour tous vos gentils petits mots de remerciement qui arrivent dans le chat. Merci. Et comme j'aime bien les petites citations, je vais citer Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. J'aime bien celle-là. Merci à toutes et tous et merci Thibaut pour cette animation que j'ai retrouvée remarquable. Enfin, c'est un plaisir. Et avec Isabelle également. Vous voyez Isabelle que j'ai rencontrée grâce à une consoeur, rencontrée au Conseil de l'Ordre, comme quoi, voilà, grâce à la relation et la communication, on a créé. Les liens. Ouais, absolument. Et en partageant la passion du monde des seniors et de l'accompagnement dans les EHPAD. Donc, c'est une passion qu'on s'est retrouvée. Partager ses passions. Exactement. Voilà, on a tenu les délais. On vous a pris 2 petites minutes de plus. Merci à tous. Et très pas, bonne... On va prévoir ça. Ceux qui souhaitent s'exprimer, on vous enverra un petit questionnaire pour voir comment on peut améliorer tout ça, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Si vous voulez participer, si vous voulez répondre, ça va nous aider à faire mieux pour vous. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée pour de bon cette fois. Merci. Alors, qui déconnecte la réunion? Je crois qu'on est toujours en ligne. On est encore en ligne, en effet, c'est la CE qui va pouvoir prendre la main pour nous déconnecter et mettre fin à la diffusion. Tu peux extraire les commentaires parce que je n'ai pas du tout le temps de les regarder. Oui, Sandrine m'a dit que ce serait possible et que normalement, ils auraient absolument tout. Je crois que c'est fini, ça y est, on n'est plus en ligne, non? Est-ce que quelqu'un nous entend? Hop là. Il y a plein de commentaires, oui. Je n'ai pas regardé. Il y a plein de commentaires, oui. Non, on est toujours en ligne. Hein, je pense qu'on est toujours en ligne. Je demande à Sandrine de quitter. J'ai pas envie de faire des...